Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans le nouvel épisode de La Cuisine. Aujourd'hui, on a Domingo avec nous. Alors, nous, on se connaît pas bien dans la vie. Ouais. Du coup, Domingo, PA, tu comment peux, c'est vrai que c'est les présentations. Qu'est-ce que tu m'autorises-tu Ouais, ouais, PA, PA, on plus est parti. PA que Domingo, limite, dans la vraie vie. Donc, alors, plus PA, Domingo. On va faire à bouffer ensemble, donc là, ça va être du PA, là. On va se connaître. Je pense qu'on va se connaître, je vais te poser des questions. En vrai, je dis toujours, on va faire une espèce de pseudo-interview de tous ces machins, puis en fait, on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse à manger. C'est vrai, parce que... On a un petit menu aujourd'hui, hein. Ouais, j'ai cru voir, là, il y a plein de trucs. Moi, je suis très curieux, je suis naze en cuisine. Souvent, quand je fais des émissions de cuisine, j'invite des gens. On boit un peu, on discute. C'est rare qu'il y ait quand même de la bonne cuisine. Donc là, je suis là pour apprendre. Je suis pas trop... Enfin, c'est rare qu'il y ait de la bonne cuisine. Moi, je me marre bien. Je me marre bien parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes et tout. Je suis souvent tagué par les gens qui nous suivent tous les deux en disant, putain, vraiment, donne-lui des conseils parce que des fois, on a vraiment peur. Ah, c'est terrible. Il se passe des trucs vraiment foufou, quoi. Et c'est pareil, on a d'autres amis en commun. Quand ils cuisinent, généralement, on me dit, regarde et aide. Voilà. Donc j'ai vu Hugo cette semaine faire je ne sais plus quel plat, il posait des questions toutes les deux secondes en mode que va-t-il se passer, puis en fait t'as juste envie de dire regarde ta poêle parce que par contre c'est en train de cramer. C'est dur hein, de streamer en même temps de faire à bouffer quand tu maîtrises pas bien la cuisine. Ouais, c'est un exercice, moi c'est vrai que je l'apprends encore. Ça fait que la deuxième saison de La Cuisine, ça fait une vingtaine d'épisodes. Toi t'es en place toi. Alors moi sur la cuisine, bam, bam, bam. sur la cuisine, après on voit quoi. Donc, et oui, on vous a mis les musiques de Zelda parce que ça me calme, j'adore ça, je vive Zelda. Aujourd'hui on va cuisiner bistrot. Ok. Alors, le deal c'était que je t'apprenne à faire une entrée digne d'un 3 étoiles et Michelin. Ok, lourd. Et tu verras, c'est une petite arnaque ce discours parce que... En vrai, j'ai demandé à un 3 étoiles Michelin comment tu fais pour faire une entrée rapide, machin. Il m'a dit tu fais comme ça, on va le faire. On va faire du magret de canard avec une petite fondue d'oignon. Et puis, on va mettre des tomates à griller au four pour accompagner ça. Okay. Crème de petits pois et œuf poché. T'as déjà poché un œuf ? C'est le... Quand tu verses l'œuf dans l'eau. Tu le récupères à la chaloupe, là ? Ouais, ouais. la chaloupe. Tu le récupères, quoi. L'écumoire, ouais, ça, ouais. Ok, ouais, j'ai déjà fait, ouais, je crois. Mais je suis incapable de maîtriser. Moi, je cuisine qu'avec ma copine et je suis son commis, quoi. Ok, très bien. Parce qu'elle cuisine beaucoup, elle cuisine bien ? Elle cuisine bien, ouais. Cuisine bien. C'est pas du tout son métier. Non, du tout. Juste, elle kiffe ça et moi, j'accompagne. Je suis là, boum, ça envoie de l'oignon. De temps en temps, on oublie un peu dans quel sens l'oignon faut le couper. Mais tu vas voir. L'idée est là. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. On fera un petit dessert aussi. On va commencer par ça, parce qu'il y a de la prise et il faut qu'on teste tes bras. Parce que c'est bien la peine de faire des événements là sur Twitch. On fait du vélo. Il n'y a plus rien dans les bras là. Il y a eu du cardio, mais c'est fini. En fait, pour être honnête avec toi, j'ai pas pensé à demander à notre super sponsor. C'est l'instant boum, sponsor. Boum, t'as vu ça ou pas On remercie parce que j'ai oublié de le faire. Je devrais commencer l'émission par ça. On remercie bien entendu Tefal de sponsoriser et de d'être le partenaire de cette émission, de nous fournir de l'excellent matériel pour travailler. Je vous rappelle que vous avez avec la bonne commande moins 20% sur une sélection de produits sur leur site internet tout en émission, c'est quand même génial. Et il me semble aussi, Joseph me confirmera, l'équipe me confirmera, qu'en tapant la bonne commande tout au long de l'émission, vous avez la possibilité de gagner un set de poils ingéniaux ainsi qu'un hachoir 5 secondes. C'est classe. C'est quoi un hachoir 5 secondes ? Alors c'est pas mal, j'en ai pas là alors que j'en ai eu pendant 3 semaines et qu'on s'en est pas servi. Et que j'ai personne à poser la question. Et que j'ai personne à poser la question encore. Le hachoir 5 secondes, c'est un petit réservoir, franchement, c'est une très bonne. Tu fous la viande ou autre. Tu mets vraiment, c'est un hachoir à herbe et ainsi de suite, ou à glace, ou tu vois. Tu mets dedans, tu tires sur un câble, et en fait, ça te découpe tout en petits morceaux. Exactement, t'as une lame en fait qui va tourner, ça te hache tout très finement. C'est chiant les tout petits trucs, genre de persil, de machin et tout. C'est ce qu'on va faire nous au couteau. Ok, super. Parce qu'il faut connaître la technique. Mais au hachoir, t'as pas envie de te prendre la tête, ça marche vraiment bien. Et puis surtout, c'est un produit phare de la marque. Non, parce qu'en vrai, pour bien cuisiner, je trouve, faut bien être équipé. Souvent, il va te manquer un outil, un machin. Au fur et à mesure, la Live Cuisine, j'ai commencé à m'équiper un peu, mais c'est vrai que c'est quand même très bien. Ouais, les vieilles ouais, c'est parce qu'on a fait tourner le lave-vaisselle. Oh là là. En vrai, t'as besoin de deux couteaux, c'est ce que je fournis tout le temps. T'as donc le couteau gros chef, et le plus petit. Exactement, et le couteau d'office. Avec ça, tu peux faire énormément de choses. Et ensuite, c'est vrai que un petit set de poêle, un petit set de casserole, pas beaucoup. Et tu bam, vois. Ça part. Et ça va hyper bien. Et tu peux vraiment faire beaucoup de choses. C'est l'instant auto-promo, bien entendu. Dans les gastronomiques, dans mes livres, je vous mets les sets que vous devez avoir. Là, c'est le tout nouveau. Ça s'est arrivé cette semaine. Là, c'est le végétarien. Là, si tu veux manger un petit peu bien pour l'été, là, voilà. Donc, tu fais des trucs à base de soja et tout ? Je fais des trucs à base de tout, moi. Okay. J'ai aucune limite. J'ai découvert le soja. Oh putain, j'ai découvert un putain de truc. J'ai oublié le nom. T'en payes ? Le tempeh.
C'est le feu, ce ouais, truc. Ouais, c'est typiquement base cuisine pour la véganie, en fait. Bon. Exactement. Ouais, ouais, parce que, ça permet de remplacer un petit peu tout ce qui va être les protéines. Mais et c'est goûtu, parce que parfois, le soja, il faut bien l'assaisonner. Mais, exactement. Mais là... Tempé, bon bail. Franchement, on en fera peut-être ici une fois en émission. C'est toujours un petit peu compliqué à gérer ces questions-là. Là, je fais un livre de recettes végétariennes parce qu'il y a beaucoup de gens bien, dans la communauté qui me disent quand est-ce que tu penseras végétarien. Et tu as automatiquement la réponse. Tu sais, des non-végétariens ou des gens qui mangent de tout. Tu dis, bah, attends, les gars, quand est-ce que tu fais à manger avec de la barbac? Les gars, j'ai fait 13 livres. Il y en a 12 avec un steak, une passe sur deux. Non. Donc voilà. Non, c'est bien de varier. Moi, j'avais essayé un peu, pareil. Pardon, je parle, je vais non, être mais chiant mec, pour c'est le... trop bien. Pardon. Parce c'est que trop bien, c'est trop bien. Je vais bien. Être un peu dissipé. Mais non, mais attends, tu plaisantes. J'aime toucher aux choses, je ne connais pas cet endroit. Mais c'est très je m'installe. Bienvenue dans la cuisine. Attends. Mais du coup, non, elle cuisine un peu de tout et elle me faisait tester des petits trucs un peu végé, etc. Et c'est vrai que c'était un. Ouais, c'était pas mal. En vrai, c'est hyper intéressant. Là, je me sens des. Vas-y. Des salades. Tu me dis, hein, si tu veux que je fasse des trucs, moi je suis. Tu vas bientôt faire des trucs. En vrai, c'est hyper intéressant de manger, je dirais. Au moins de savoir accompagner. C'est ce que je dis, tu vois, cette semaine, quand le livre est sorti. Bon, c'est sympa. Quand le livre est sorti, les gens disaient, ouais, mais moi, je suis un peu viandard. Attends, c'est des recettes végétariennes. Rien ne t'empêche de faire cuire un steak, une poule de poisson grillé ou une protéine à côté. Il n'y a aucun problème. C'est pas le souci. On a des fouets. On a ici des petits calots pour préparer. Petite gamelle. Exactement. On a nos œufs. Alors, t'as déjà monté des blancs en neige ou pas? Ouais, c'est dur. Bah ouais, parce que c'est ce que je disais, j'ai pas demandé à notre. Ok, notre faut tout faire, vas-y. Voilà. Ah, ça va être ça. Nous-mêmes. Exactement. Donc. Oh là là, ça va être terrible. Hein. Je vais, si tu veux, alors, on va faire un truc. On fait une mousse au chocolat. Pourquoi on commence par la mousse au chocolat, les amis? C'est parce que ça prend. C'est bien si ça prend une heure au frigo avant d'être dégusté. Même plus longtemps si vous voulez. Nous, on va se donner une heure, histoire qu'à 22h, 22h10, on puisse manger ça. Du coup, on va commencer par ça. Tu vas hacher. Enfin, c'est génial. Alors, il faut que je pense à mes placements de caméra, à mon équipe qui m'a dit, si tu mets des trucs, libère-nous les espaces, tu vois, voilà. Tu vas séparer. Ah, le blanc, de... le ça, blanc faire, des ça. Jaunes, exactement. Ça, je suis bien, ça. Je suis bien, ça. Tu vas séparer le blanc des jaunes, tu vas prendre 4 œufs. Ouais, ici. Tu vas me mettre, ici, tu vas me mettre les blancs. Et là, le jaune. Ici, les jaunes et ici, les coquilles. Okay. On est parti. Ça, c'est parfait. Blanc ici. Moi, pendant ce temps, les amis, vous êtes là. Je vais monter un bain-marie, basiquement, de l'eau qui va bouillir avec un cul de poule dessus pour faire fondre le chocolat et éviter le contact direct, en fait. Donc, voilà. Ouais, tu remarqueras à mon physique, à ma stature, que moi, je participe à tout ce qui est événement sportif, mais depuis mon écran. C'est bien aussi. Hein. Je te dis ça parce que je suis hyper impressionné là, par les prods là, que tu fais, sur comment tu le fais et tout. Nous, ici, franchement, je trouve que dans la cuisine, des fois, on a des plans mieux qu'à la télé. Ah ouais, non, mais c'est. Je trouve vraiment ça cool. Et je me dis, les trucs que tu proposes, des fois, quand même, c'est parfois de ce niveau-là. Il y a un truc un peu. Bah, c'est gentil, ouais. Le dernier, là, c'était cool. Je les éclate, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. T'inquiète mec, c'est cool. Le blanc, tu peux l'éclater tant que tu veux, y a pas de souci. C'est le jaune qu'on garde. On garde les deux. Ok. On garde les deux, on fait bien attention dans ce cas. Ouais, tout boom. Va bien. Hop, on récupère, boum, hop. Tu te sens plus libre. Moi je sais que bam, je me sens plus libre boom. Pour faire des émissions, tu vois, sur Twitch. Ah bah. Ici on est... Mais toi tu viens d'où? La télé tu viens de que dalle, moi je viens du livre. Ok. Vraiment, je viens du bouquin. Parce que j'avoue que je te connaissais pas tant que ça, je t'ai vu par le stream. Et, bah. Et je t'ai découvert via le stream, moi, et je savais pas trop du coup. Mais t'as fait des trucs en télé un peu ou... Non, pas du tout. Okay. En fait, moi je bossais dans la pop culture avant, il y a 8 ans. J'ai commencé dans le jeu de société, le jeu vidéo et ainsi de suite. Puis après, j'ai pris un taf dans un bar à Paris. Je voulais vraiment tout plaquer dans ma vie et faire un truc hyper débilitant pour juste dormir, tu vois. Ouais. Et donc, j'allais servir des bières, vider des fûts, faire de la manute. Sauf que je viens du milieu créatif et au bout de trois mois, ça m'a manqué. Je me suis mis à proposer des projets et à re-rentrer petit à petit dans le milieu de la pop culture. Et puis, ça a été à ce moment-là l'essor... Putain, mais tu gères ! Ça a été à ce moment-là l'essor de... des émissions culinaires. Ok. Et moi, dans le lieu dans lequel je bossais, j'avais envie de proposer des menus. Mais t'as toujours été un peu dans la bouffe aussi ou t'as non. Toujours... Bon, non. Mais dans ma famille, à fond. Ok. Mes parents, mon père est boulanger-pâtissier, tu vois. Un vieux de la vieille, 40 ans de boulangerie à très haut niveau. Ah ouais. Et puis mes cousins, chef cuisinier, ma grand-mère, chef cuisinière particulière. Moi, j'étais le seul à pas avoir fait ça.
parce que dans la famille, les mecs, ils ont galéré tellement qu'ils avaient juste pas envie que l'on fasse ça, tu vois. Alors, là, tu vas très bien. Pose le cul de poule, tu seras plus libre. Ok. Je bats là. Tu peux les battre un petit peu. Et on va mettre du sucre pour les blanchir. On va mettre un petit peu de sucre pour casser le... Comment dire? Pour casser, eh bien, où est le sucre? Pardon, du coup, parce que c'est vrai que je te pose des questions mais et non, tout, mais c'est vrai que ça m'a... C'est marrant parce que c'est toi qui viens comme invité, puis tu me fais parler, t'es hyper non, fort. Non, mais ça m'a rendu curieux de... Et, attends, pose le cul de poule, tu seras beaucoup plus stable. Je te mets un petit peu de sucre. Et là, il faut fouetter. Pourquoi? Parce que, en fait, le sucre, il va attaquer l'œuf. Il va commencer à le cuire. Ok. Voilà. Donc non, et en fait, je fais gastronomique parce que mon patron, à ce moment-là, me dit... la bouffe, la geekerie, aucun rapport, ça marchera pas, c'est pas intéressant. Ok. Et moi je dis ok, non. Et puis je fais la tournée des prods de Paris pour vendre mon concept, parce que je voulais faire une émission comme ce qu'on fait maintenant, tu vois. Ouais. La cuisine des mousquetaires, Maïté, tout ça. tu vois l'ambiance. Ouais, c'est bien, je pense. C'est bien. Ouais. La cuisine des mousquetaires de l'espace, tu vois. Ouais. Et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé aucune prod qui avait envie de le faire. Mais sauf que moi, j'avais écrit des dizaines de recettes. Ok. Et en fait, je vis avec une femme qui est, en dehors d'être fabuleuse, directrice artistique et illustratrice. Ok. Elle m'a dit, on va pas laisser mourir ce truc, faisons des livres en fait. Okay. Et puis, la vie, c'est des rencontres. Et je me suis retrouvé chez Hachette. Et ils adoraient l'idée. On a fait le premier, qui a fait un très gros carton en librairie. Le deuxième et ainsi de suite, là, c'est le 13e. Et puis, de fil en aiguille, bah, tu vois, j'ai fait des super rencontres. J'ai rencontré Squeezie. Sans savoir qui était Squeezie, okay, cette espèce de sale boomer que j'étais. Ah, tu fais des vidéos Tu l'as rencontré comment du coup? Je l'ai rencontré dans le bar dans lequel je bossais. Il est venu à une soirée et puis on s'est posé ensemble. Oh, sympa. Et puis ça, on c'est a parlé. Ça, c'est des bonnes rencontres généralement avec des créateurs et tout. En fait, c'était assez fun parce que moi, je venais de sortir mes livres, ça marchait et tout. Et puis je rêvais de faire de la vidéo. Le truc, c'est que quand t'es autodidacte, c'est hardcore. Je pense que tu le sais, beaucoup de gens le savent. Et attends, pourquoi je fais ça? C'est à toi de le faire. Ça partait bien, moi, je suis chaud. Je te trouvais pas mal rapide sur le jaune. Je me suis dit, alors, tu vas fouetter. Je fais quoi, là? Je te montre le mouvement. Vas-y. Alors, en fait, l'idée... Crac, 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 crac. Exactement. On bat, quoi. Exactement. Tu montes les blancs. Et comment dire... C'est normal, le bruit? Oui, c'est normal. Okay. Tout va bien. Et en fait, je le connaissais pas. J'avais jamais vu son contenu, j'avais jamais rien fait. Et c'était assez frais pour lui, je pense, de discuter passionnément avec un type qui trouvait cool tout ce qu'il faisait et qui lui, un peu extérieur qui et lui tout, parlait quoi. Pas avec un espèce d'intérêt, tu vois, de fan attitude ou de trucs un peu... Et puis on s'est bien entendu et 3-4 jours après, on a bouffé ensemble. Il a fait... C'est jusqu'où que je dois faire? Non, c'est beaucoup plus... Ah ouais. Quand tu veux que je reprenne la main, tu me le dis. Et puis voilà. Et en fait, on a bouffé ensemble. Et il m'a dit au bout de quelques jours, mais il faut absolument que tu fasses une chaîne YouTube. Et tes livres, ils sont super beaux. Moi, j'avais une pression parce que je savais qu'on ne pouvait pas reproduire à l'image ce qu'on faisait dans les livres. Ouais. Et en fait, allez, je prends la main. Regarde. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pause stratégique. C'est pas mal. Hop. Je te rends ça. Ah ouais, j'envoie ça aussi maintenant? Non, ça c'est bon. Ah ok, bon. Ça c'est bon. Toc. Et voilà, et en fait, okay. Il m'a mis sur YouTube, j'ai fait mes vidéos, j'ai pris une prod au départ, ça s'est pas très bien passé, sur le propos, sur la... On s'entendait pas sur l'écriture. Et de fil en aiguille... Puis en fait, j'ai continué à bosser, je suis revenu ici, enfin, Lucas m'a fait signer ici. Ok. Et puis moi, j'ai fait. Non, mais j'étais curieux monde, de savoir justement voilà. Si t'étais genre en mode t'avais fait des trucs télé. Non, pas du tout. Moi, tu sais, moi j'ai fait. Et du coup, 13 bouquins, quoi. Voilà. Ok. Alors après, voilà, si tu veux du pédigré. Non, bah là, on est pas mal là. Hein. Là, on est voilà. C'était pour. Si tu veux du pédigré, c'est quasiment 500 000 exemplaires vendus, France et monde. On est traduit dans 13 pays, de la Chine aux États-Unis. Bam ouais, c'est pas mal. Double demi-million, boum. Voilà. Ah, c'est propre, hein. Bravo. Non, on est content, ça marche bien, on travaille beaucoup, quoi, tu vois. Ouais, non, mais félicitations. T'es totalement à l'image de ça, tu sais qu'on bosse, bien. Alors, attends. Ah ouais, là, t'envoies, là. Mais y a pas un moment où on a juste envie d'avoir le truc électrique? Si, et c'est ouais. Ça qu'on n'a pas. Ah, c'est... Alors, oui, c'est... Ok, c'était pour ça, ouais.
toc. Là, je vais baisser le feu. On fait un bain-marie. Alors, ce que tu peux faire, c'est prendre la marise. Tu me dis, tu la marise, c'est là. Et tu prends le chiffon pour pas te brûler, parce que si tu touches le bol, là, il est bouillant. Ok. Et juste, tu remues un petit peu pour, comment dire, pour, voilà, pour juste rendre faire tourner. Exactement, que le chocolat soit au contact de la paroi. Moi, pendant ce temps... Ça, je sais faire, ça. Ça, c'est mon truc. C'est vrai que ça, ça a l'air bon, ça. Bon, tu verras, c'est cool, hein. Oh, c'est beau, là. Là, c'est beau. À l'image, les gars, vous êtes beaux, hein. Et après, on laisse... Quand c'est fondu, tu le sors du feu. Non, mais là, il y a encore des morceaux. Mais je continue à touiller. Non, là, tu peux le laisser. Ouais, on le laisse vivre, quoi. Ouais, ouais, exactement. Je laisse le truc dedans. Ouais. Je laisse le truc. Ouais, on va... En vrai, c'est vrai qu'elle a... Elle a bien monté, là. Ouais, mais pas encore. Ah ouais. Là, si je retourne le bol au-dessus de ta tête, je pense qu'il te tombe sur la tête. Ah ouais, là, ouais, c'est ça. On va éviter ça. Tu me dis, hein, si t'as besoin que je prenne le relais, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, parce que ça sollicite la fierté chez l'homme. C'est en mode, tu me dis si t'as besoin au niveau du bras, tu me dis. Ouais, je suis KO depuis tout à l'heure. Moi, je vais faire tourner niveau bain-marie, là. Vas-y. Je suis sur la marise, moi. Mousse au chocolat, c'est hyper simple, les amis, je vous le redis. Les jaunes d'œufs blanchis, sucre, le chocolat fondu et les blancs montés. Là, on est pas mal, tu vois. Là, elle tient bien, là. Ouais, tiens. Là, elle tient, là. Oh là là, oh là, là. Ah ouais, bien, bien, bien. Bon. Beau taf d'équipe. Franchement, j'y serais pas arrivé sans toi. Ah bah, merci, merci. Non, mais voilà. Et du coup, tu vois, ça fait un an avec le confinement et tout, je me suis mis sur Twitch. Ouais. Ouais, je te vois sur ta chaîne faire des petits réacts, des petits trucs. Les réacts en cuisine, j'essaye. J'ai vu que les réacts, c'était un peu un truc sur Twitch... c'est des sujets de discussion, hein. Tous Comment les créateurs. Je me prends souvent des tacles en mode ouais, tu pourrais faire un truc plus créatif. Ah ouais? Ouais. Mais alors, qui? Bon, on va pas donner des noms. Mais ah en dehors de ça, non. Puis les gens aussi dans le chat. Après, moi, ce que je fais en React, c'est que des émissions culinaires. L'idée, c'est d'apporter une ta valeur vision, ajoutée. T'avais, ouais, t'avais... C'est de dire, regardez, là, vous regardez ça. Le mec est pas juste en train de faire un gâteau. Bien, c'est passé. C'était au début. C'est quand Xav il s'est fait tailler quand il faisait ses premiers réacts. Ouais, ou quoi, j'ai vu, mais bon. Il est très fort. Il est très fort. Ah, Xav, c'est le boss, le Xav. Il est très fort. Numéro uno. Non, on fait ça et puis on fait de la cuisine, quoi. On fait de la cuisine, mais c'est vrai que j'ai une appétence à le faire ici parce que tu vois, le plateau est fabuleux. Ah ouais, non, c'est vachement cool. Hein. Moi, je voyais ça, j'ai vu vite fait. J'ai vu avec Marie les rendus et tout, ça donne. Marie. J'ai pas bouffé, moi. Hein, donc, moi, je suis venu pour créer ce qu'on va manger. On va manger. Exactement. Manger, t'inquiète pas. Bah là, on a bientôt fini la mousse. Ok. Avec Marie, c'était assez dingue. C'était vraiment food porn. C'est des trucs que j'avais jamais fait avant. Parce que vous avez fait quoi, coréen, c'est ça? On a fait poulet frit coréen, bulgogi. Ouais. Okay. Ah ouais, ça, les photos là. Ouais, c'est pas mal. C'était le feu. Alors là, tu peux enlever ça. Waouh. Du. je mets à zéro. Ouais, tu peux l'enlever. Tac. Voilà. C'est à zéro. On va utiliser nos cales. Non, garde l'eau chaude. Je suis un peu assisté. Hein. Je posais plein de questions. Non, mais c'est trop bien. Du coup, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va. Est-ce que tu peux checker si au congélateur. Bien sûr. On a des glaçons. Des glaçons, boum, ça part, claque. J'ai 5-6 glaçons à te proposer. Ok, est-ce qu'on va faire fait, qu'on va aller... Oui, alors tu vas me les verser là, avec de l'eau très froide. Et en fait, on va refroidir un petit peu la température du... On va refroidir la température du chocolat. Parce qu'à cette température-là, il va cuire et il va coaguler le jaune d'œuf. Et c'est pas quelque chose que nous voulons. Alors là, on a utilisé... Salut les amis, je vois les petites mottes de beurre, là, quel plaisir. Là, on a utilisé 4 œufs. Voilà. Je refais les glaçons. Ça, c'est bien. Ça, c'est les gens bien qui font ça. Il n'y a rien de pire que les sourasses qui prennent les glaçons et qui te remettent le... Ils nous en ont laissé 5, là. C'est qui? C'est un peu ça, hein. Hop là. Voilà. On fait une petite glaçante et on va tout de suite mettre ça. Hop. Ok, donc ça, c'est pour apaiser, pour que ça ne brûle pas, quoi. Si tu mets le chocolat fondu à cette température-là dans le jaune d'œuf, tu fais une omelette au chocolat. Ah ouais. Voilà. Nous, on va incorporer. Donc, tu vas pouvoir prendre la marise, bien le essuie-là sur le bord du bol, et on va incorporer... gentiment, un tout petit peu de blanc en neige. Tu sais le faire? Non. Alors regarde. Enfin oui, je vais mettre dedans, quoi. On va en mettre un peu. Ouais, mais faut pas casser les blancs. Donc on fait une première base d'incorporation. Ok. Donc là, tu vois, hop, tout bêtement. Voilà. Et ensuite, tu vas prendre à la marise, mettre dedans
et on va, je vais te montrer le geste. Okay. Ok. On peut même faire le contraire, on peut même faire ça ici, là-dedans, là-dedans quand ouais. t'as plus de place. Ok. Alors okay. attends, on va regarder vite fait notre. Nickel. On va regarder notre chocolat. Voilà. Chocolat à quoi bien. Tu le vois, genre qu'il est, il est moins chaud. Bah déjà, j'ai pu prendre le bol sans me brûler. Ah ok. Oui, oui. Ensuite, on va faire une technique hyper simple. Ça va. Ok. Ah, c'est pratique. Bon. Ouais, c'est bien. Donc on va faire. Là, on a mis un peu de froid. On va mettre un petit peu de ça ici. Je pense qu'on va tout monter là-dedans. Ce ouais. sera le plus simple. Je te rajoute un peu sur. Vas-y, tu peux y aller. Alors, vas-y, vas-y, mets-en. Alors. Oh là, je suis abruti. N'aie pas peur, non, t'inquiète pas. Je sais pas ce que je veux. T'inquiète pas, rien. T'en mets. Ouais. Et ensuite, ça, on va l'incorporer. Tu vas m'enlever ça là. Ça, on va l'incorporer comme ça. Ah, avec la Maryse. Et en fait, le but, c'est que tes deux poignets, ils se rejoignent. Ok. Tu fais tourner le bol et ton poignet, il fait le mouvement. Ensuite, l'autre mouvement, c'est la Maryse, elle va en bas et elle ramène le blanc. Ok. Ok. Et au fur et à mesure, on va mettre le chocolat. Ok. C'est bon ? Ça te paraît bien ? Vas-y. Moi, je t'enlève ça et ça. Voilà. Et au fur et à mesure, je te rajouterai des blancs d'œufs. Hop, moi t'es pas mal là. Mais attends, la main gauche elle bouge pas. Pour l'instant elle bouge pas parce que t'as pas encore synchronisé. En fait, faudrait que tu prennes avec ton pouce et ton index ici. Ouais. Et que tu fasses le mouvement comme ça. Voilà. Je te remets du blanc. Vas-y, remets. Je pense que je suis bien là. Toc. Je pense qu'on a besoin de blanc. Un peu de chocolat. Oh, hop là, pas plus. Et on va le refroidir au fur et à mesure. Voilà. Ah mais j'ai un souci de coordination des mains en fait. Non, c'est juste que, alors, non c'est bien, en revanche finis ton mouvement. Tu vas en bas et tu ramènes sur le dessus. D'accord. Mais à chaque fois, je peux remettre le truc là. Ouais bien sûr. Oui voilà, je suis pas obligé de... Non, faut vraiment que tu fasses tourner la crème, regarde. Non mais j'ai ça là avec, j'ai fait le test du truc pour le permis. Ah oui j'ai oui. J'ai compris que j'étais teubé. Hein. J'ai un souci de coordination avec les membres. Ah oui, de synchronisation. Parfois, elle me disait des trucs, je suis en mode, mais putain, je suis abruti. Tu as le mouvement, c'est. Ah ok, ouais, tu remets tout sur le dessus. Voilà, exactement. Là, je vais t'aider un petit peu parce qu'on va avoir du grumal. On va pas bouffer sinon. Si, si, on va manger, t'es ouf. T'as vu un mec galbé comme moi pas manger, toi ? Dans quel monde ? Voilà, on va le retravailler. Alors, prends la spatule et mets les blancs. Vas-y, vas-y, je mets. Voilà. Je remets un petit peu de choco. Là, on vous fait de l'image, les gars. Voilà. Je t'en mets un peu plus. Vas-y. Et donc là, on va incorporer ça. Voilà. Mousse au chocolat. Très, très simple. Très peu d'ingrédients. Moi, je me suis écœuré du chocolat. C'est vrai ? Maintenant, la mousse au chocolat, j'aime bien, tu vois. Qui me dit ça maintenant ? Moi, je peux plus bouffer le chocolat de ma vie. C'est-à-dire que vraiment, c'est la dernière fois. Tu vois, le chocolat, c'est un truc... Mais non. T'en as mangé trop ? Ouais, petit. Mais vraiment, genre... pas overdose, mais j'allais au goûter d'anniversaire, je finissais malade et tout, tu sais, j'arrivais pas à m'arrêter. Ah ouais. Genre en cachette, je prenais la tablette, je défonçais la tablette de chocolat noir, tu sais, genre à 80%, oh le gars, cookie taker. Ah, grave. Et du coup, maintenant, tu sais, les chocolats 100%, genre juste chocolat noir, etc., j'ai du mal. Je kiffe, par exemple, si c'est cœur fondant, ce genre de truc, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais quand c'est trop corsé, ça passe pas. Mais après, quand c'est liquide, chaud et tout, ça va, tu vois. Ok. Mais, donc, voilà, pas de fontaine de chocolat prévue sur Popcorn ou pas de... Bah, si, ça peut être pas mal, parce que t'as envie de... T'as déjà vu une méga fontaine de chocolat ou pas ? Non. C'est génial. En Palace, les fontaines, elles sont... trucs comme ça va là, et puis c'est des fontaines, quoi. C'est du Niagara de chocolat fondu, quoi. Et tu peux en manger ? Ah bah oui. Tu prends un verre, genre, et ça coule. Ah, par exemple, ou tu peux prendre, des fruits. Ou des trucs ah ouais, comme ça, c'est pas mal ça. Les fruits avec chocolat, c'est. Si vous regardez, les amis, le meilleur pâtissier, les professionnels, tu vois, ils font pas le chocolat tablé. Vas-y, le chocolat tablé eux-mêmes. Là, tu peux tout mettre, tout ce qui reste. Chocolat tablé, c'est un chocolat qui est mis à température. On fait monter ça, enfin, on le fait fondre à une certaine température. On le fait redescendre à une température plus basse et on le fait un petit peu remonter. Et ça sert à avoir en fait un chocolat qui est lisse, tu sais, miroir, quand il refroidit. Et en fait, tu vois les fontaines de chocolat. Les mecs, ils y vont avec des moules pour les œufs gigantesques. Et pardon, ils te mettent la bassine comme ça et t'as le truc. C'est fabuleux, t'as juste envie de mettre la. C'est pas mal les trucs meilleurs pâtissiers. Ça commence à être bien les prods en France. Top Chef, c'est déjà fou. Top Chef, c'est assez fou. C'était pas bien. Moi, j'avoue que je suis ça de loin, mais Top Chef, j'ai toujours trouvé que c'était pas mal, non ? Toujours, c'est. Bah, en fait, il y a une différence entre c'est pas mal et c'est grandiose. Ouais. Tu vois, là, aujourd'hui, en termes de prod télé, je crois qu'en France, il n'y a rien de mieux. Ouais. En prod télé cuisine, ouais, t'entends. Top Chef, c'est les boss. Top Chef. Mohamed qui a gagné. Hein. Le spoil, boum. Bon, le spoil.
C'était il y a deux jours, c'est pas Game of Thrones, les gars. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'avoue que. Belle OP de communication. D'ailleurs, je sais pas si t'as suivi ce qu'ils ont fait, M6. Hein. Non. Bah, le jour de la finale de Top Chef, les chefs, M6 et ainsi de suite, les mecs ont dit ce soir, vous ne regardez pas la finale de Top Chef, vous allez aider vos restaurateurs, allez bouffer au restaurant, vous regarderez en replay. Ok. Ah, ça paraît très bizarre. Tu fais la finale, 18ème semaine. Ouais. Bon, en vrai, les chiffres, c'est qu'ils ont, ils ont perdu 600 000 téléspectateurs. Et bon, ils ont quand même fait 3,3 millions, donc 18% de part de marché. T'es calé niveau de télé et tout, ça a l'air d'être passionné la télé quand même. Pas du tout, je triche un peu. Le lendemain, j'étais invité par Thierry Moreau, tu vois qui c'est Thierry Moreau ? Très bien, ouais. Justement, qui lui est super calé et qui m'a demandé de venir. Ah, il t'a fait la grille, ouais, bah écoute, c'est une cible sur la ménagère assez classique pour Top Chef. C'est exactement ce qui s'est passé. On perd un peu de jeunes, hein, forcément, 19h, enfin pas 19h, mais le droit d'aller dans les bars, 23h la sortie. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé et en fait, le mec m'a raconté ça, quoi. Il m'a dit. Ouais, tout le truc et tout, quoi. En vrai, ils ont pas tant perdu, c'était même super intéressant, nanana, machin. Non, mais j'avoue, moi j'aime bien regarder de temps en temps, je regarde avec ma meuf, de pâtisserie et tout. C'est shonen, quoi, moi je trouve que c'est très shonen. Ouais. On va verser cette crème que tu as fait dans les petits ramequins qui sont là-bas. Ceux-là. Exactement, et on va les mettre au frais. Et on a fini la mousse au chocolat. On va prendre les 6, hein, je pense. Vas-y. Alors, je te le dis, tu es là, comme ça si tu veux nous choper ici, on va verser gentiment. J'attends que tu me dises, hein, mon ami. Alors, regarde ça. Hop. Il y a de la lavande dedans qui est tombée. Ouais, on va l'enlever. Allez, à ton tour. Hop. Mais là, on n'arrivera jamais à faire tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, c'est bon. Elle est gourmande, celle-là, gourmande. Je vais te chercher la Maryse, qui va te servir à récupérer... ce qu'on a gentiment laissé. Qu'est-ce qui, toi... Parce que je sais que t'as fait Top Chef. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé justement à faire Top Chef? Le côté compétitif, le côté cuisine? Non, le côté marrant. L'envie, le côté juste fun de faire cuisiner ses potes. Tu peux, littéralement, puisque c'est cuit, manger ce chocolat sur ton doigt si tu veux. Ok. Pas de souci. Attends, je vais mettre... On met tout dedans ou là vas-y, vas-y. Ouais. Non, tu vas pouvoir le faire. Mais non, en fait, l'envie, bah là, ça fait un an que j'avais pas pu le faire. J'ai bien envie de le faire en fin d'année, là, pour reprendre un peu la tradition. Mais non, je trouve ça marrant, mais comme pas mal de trucs que j'organise, en fait, de voir des streamers dans d'autres conditions que ce qu'ils font eux habituellement. Ouais, que leur cocon habituel. Donc c'était principalement ça, je trouvais ça cool, je trouvais que ça changeait un peu aussi sur Twitch. Ah bah carrément. Et tu peux mettre ça dans l'évier. Et du coup non, honnêtement, c'était j'avoue que c'était un truc qui m'avait fait bien kiffer à faire. Et les gens avaient adoré aussi, donc T'avais fait ça, j'avais vu les images, c'était pas à Kitchen Studio à Boulogne, il y en avait pas. Ouais. Putain, il est calé en prod celui-là. En fait, j'ai fait un Top Chef World of Warcraft en OP avec Link et Terracid et Mamie Twink et Zeka, c'est ma toute première OP de ma vie. Ah, j'ai vu ce truc, je crois. Vous faisiez des plats. Ils faisaient des plats de World of Warcraft. Okay. Et il y avait le gagnant de Top Chef qui était là. Oh, et moi, j'étais là, Bistrono Geek. Ouais, ouais, nickel. On lave ça ou pas? On lave toujours. Ouais. Entre les plats. Le plan de travail, toujours clean. Toujours clean, important. T'as pas envie de bosser dans la gadoue. Voilà, toc. Ça suffit, hein. Je vais nettoyer à côté. Vas-y. Et puis voilà. Bon, mousse au chocolat, c'est fait. Ouais. Ça, c'est quand même pas mal cool. Hop, ça c'est quand même pas mal cool. Toc. C'est quoi pour toi? Moi j'avais plein de questions parce que il y a un truc que je trouve que tu fais hyper bien, c'est l'interview. T'as qu'à voir, t'es venu sur mon émission pour que je te fasse parler, tu me fais parler, c'est là que t'es fort. Qui tu voudrais avoir en interview, qui tu voudrais recevoir dans Popcorn que t'as parce que t'as quand même des méga gros billes là, tu vois. Ouais. Thomas Pesquet, c'est quand même pas mal. Alexandre Astier, là, on veut là. J'ai vu. On a forcé. Ce qu'on appelle un appel du pied appuyé. Oh, un forcing. un forcing qui ferait trop avoir Alexandre Astier depuis, depuis le début. C'est vrai. Ouais. Et des objectifs de personnalité. Non, bah ouais, c'est trop bien. En plus, là, il sort Kaamelott. Donc, souvent, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas envie non plus de faire que comme la télé en mode total promo. Ouais. Mais souvent, que ça soit artiste, personnalité ou les gens que tu as envie d'avoir. Bon, bah, souvent, en fait, faut raccorder justement à une actualité. À une actualité, bien sûr. Pesquet, bon, bah, c'est clair qu'il fait la tournée justement de tous les trucs de promo le moment juste avant où il part dans l'espace, quoi. Et c'était génial de pouvoir l'avoir. Donc, du coup, non, Astier, je surkifferais. Après un forcing de tous les instants. Ouais, avec Alexandre Astier, c'est un forcing qu'il faut prévoir. On se fait une crème de petits pois. Ouais, ok. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on écosse les petits pois. Allez, boum. Donc, le truc, regarde, je vais te montrer ça, c'est génial. J'ai lancé un bouillon de légumes là. Ouais.
On le trempe et ça ouvre. Non, non, ce serait bien. Ouais, je sais pas, j'ai tenté, je me suis dit... Quand on a littéralement fini avec une cosse, on la met dans l'eau. Ok. Tu vois, on va, par exemple... Donc là, il n'y a pas spécialement de technique. Hein. On met tout dans... Ouais. Tous les petits pois bien frais, ils sont bien beaux. Tu vois, voilà, à terme, tu mets ça là-dedans. Je le ferai après moi, mais... Ça donne du goût, là. Exactement, en fait, exactement. Tu vois, c'est très vert, c'est très chargé en chlorophylle. Ok. Et du coup, ça a le goût du petit pois. Donc comme ça, étant donné que nous, on veut faire une... Mais est-ce que j'y arrive? Non. Ils sont hyper frais. Est-ce que j'y arrive? Voilà. Comme nous, on veut faire une crème de petit pois, bah, on va renforcer notre bouillon avec le goût du petit pois. Tu vois. Pour que ça fasse mariner, quoi. Exactement. Le feu. Voilà, hop. C'est un petit peu fastidieux, les amis, mais ici, on fait tout. Comme ça, on est pas mal. C'est bien, c'est la réalité, quoi. Voilà. Vous avez bien raison, ça conclurait la saison d'une beauté, je pense que c'est rapport à Astier, ouais. Dans le chat. Est-ce que vous passez un bon moment, les amis? Est-ce que tout roule? Est-ce que vous avez des questions? C'est là, je vous trouve très, très, très gentil, très bien. C'est très bien, ça. Continuez. Donc, Astier, ça fait partie c'est des gens que tu kifferais avoir. Ouais. Mais genre, le truc où tu te dis... Moi, par exemple, j'ai cuisiné pour des artistes que je rêvais de rencontrer. Donc, ça a été un grand moment pour moi. Ouais. Et j'ai une liste de gens où je me dis, un jour, je les rencontrerai, je cuisinerai pour eux. Tu vois? Parmi lesquels Arnold Schwarzenegger. Ah ouais? Ah ouais, bien sûr. Mais pourquoi m'emmerder à rêver Mais quoi, parce que tu le surkiffes, Terminator. Bah ouais, parce que j'ai grandi avec ses films, tu vois, tout ça. C'est en plus, je trouve qu'il a une communication hyper positive sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un gars qui est vraiment axé sur le sport, le développement, la jeunesse. T'inquiète, ça arrive. Et donc, je trouve ça passionnant. Je pense à Schwarzenegger, Stallone. En fait, tous les héros de mon enfance, tu vois. J'ai cuisiné pour des acteurs de Star Wars ou pour des acteurs de séries télé américaines. C'était plutôt cool. Forceur. Ouais. Et c'est je me trop dis, bien déjà que t'aies pu faire ça. Je me dis, c'est cool de l'avoir fait, ce qui veut dire que c'est possible, ce qui veut dire que suffit juste de se battre. Ah ouais, ouais, bah et d'aller clair. Chercher, d'aller chercher ça, quoi. Toi, il y a des gens que tu te dis, je les aurais jamais, mais il faut quand même que je fasse tout pour y arriver. Il y a des gens que je pourrais avoir envie de... Non, mais bien sûr, tu vois, tu peux avoir plein de gens, mais j'ai pas quelqu'un où je me dis, putain... What the fuck? C'est normal, ça. Ah, il est hyper épais, il y a rien dedans. Ah, alors ça, c'est parce que tu t'es fait feinter. C'est une branche. Non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'aime bien que les gens voient la vraie taille des petits pois. C'est étonnant. Ça. Comparé aux petits pois en boîte, tu sais. Ouais. Qui n'ont pas de voilà. Oh, il y en a qu'un gros. Énorme. Bah vas-y, mets-le. Mets-le. Je sais pas s'il va être digeste ou pas, mais vu ce qu'on va lui mettre. Putain, c'est incroyable. Non, du coup, non. Moi, je suis. En fait, je suis pas fan d'artistes, de chanteurs, etc. Je suis beaucoup plus impressionné par les sportifs. C'est-à-dire que les sportifs, tu vois, du coup, j'ai un vrai truc où je suis fan de l'OL. La première fois que j'ai rencontré Sonny Anderson, c'était fou. J'étais vraiment un peu en panique. J'ai eu la chance de rencontrer un joueur de l'OL, Bruno, enfin à distance, on a fait un live ensemble, Bruno Guimaraes, qui est un petit crack, qui avait choisi Lyon, qui, enfin bref. Trop bien, quoi. Donc ça, c'est des moments, ça, c'est des vrais moments fous. Non, en fait, ce qui est bien, c'est que ça se fait petit à petit, tu vois. C'est-à-dire que Thomas Pesquet, tu m'aurais demandé ça il y a un an et demi, deux ans, jamais je me serais dit, putain, je veux Thomas Pesquet. Enfin, tu vois, genre, mais c'est génial. Enfin, c'est... Non, j'entends ce que tu dis. Non, je me fais mal comprendre dans le sens où. Non, tu dis. Non, j'ai pas de liste. Tu vois, j'ai pas de liste. T'as pas la liste, mais le moment où t'as des gens, tu te rends compte que c'est génial. Et de temps en temps, tu vois, bon, bah, on essaye de tenter des petits coups pour ramener des gens et c'est la folie s'ils acceptent et tout. Mais comme c'est aussi hyper nouveau, tu vois, justement, ce truc de Twitch, de pouvoir ramener des gens, de pouvoir. Les premières fois où il y a eu des gens connus qui sont venus sur Twitch, tu vois, c'était vraiment, t'étais en mode what the fuck, putain, ils connaissent Twitch, quoi. Là, maintenant, ça se fait de plus en plus. Et j'apprends. Tu penses qu'il y a un effet Samuel Etienne, par exemple, net, tout le barouf que ça a fait au niveau de la télé, je veux dire, tu vois, Samuel Etienne débarque sur Twitch, il fait tous les plateaux. Ouais. Et limite, c'est pour les journalistes qui l'interviewent, c'est Samuel Etienne qui. C'est grâce à Samuel Etienne Twitch. Ouais. Mais mine de rien, ça a amené... Moi, par exemple, beaucoup d'interlocuteurs que je voulais rencontrer et inviter soit dans la cuisine, soit chez moi, bah, ça leur parle. Ouais, bah c'est... Avant, ça leur parlait, mais genre, pas. Non, mais ça a joué... Ça faisait même pas... Ça a joué de fou dans la démocratisation de Twitch, quoi. Mais ouais, pour... Tu, oh là, penses, juste que c'est... Grosse session, tu penses juste que c'est la plateforme et tout ce qui est développé sur la plateforme qui...
qui fait que les gens viennent mécaniquement. Ouais, au fur et à mesure, c'est en fait ce qui est difficile, c'est que c'est moins dans le temps. C'est-à-dire que YouTube, par exemple, sur la découverte de YouTube, bon déjà YouTube, il y a tout ce qui est clip YouTube, enfin musique, tu vois. Ouais. Beaucoup de gens qui connaissent YouTube, qui utilisent que pour la musique. Mais c'est surtout que t'as pas vu quelque chose, tu peux le revoir sur YouTube. C'est-à-dire ouais, par exemple, tu vois la Zilan, t'étais pas là le week-end de la Zilan sur Twitch. Bon bah t'arrives à un autre moment, tu te connectes, c'est une connerie, un lundi midi. Bon bah y a pas Zilan quoi, tu vois. En fonction des gens, t'es pas en mode, ok, c'est ici que c'est fou, putain, c'est incroyable. Mais du coup non, je pense que les gens viennent naturellement petit à petit. C'est aussi générationnel, tu vois. Moi ce qui me fait plus kiffer là récemment, j'ai eu pas mal d'expériences avec, bon pour le coup c'était des sportifs, mais des jeunes. Pomme récemment aussi, tu vois, qui était venue un peu fou. Pour découvrir Twitch et tout. Je pensais à elle parce que je suis des acteurs, donc je suis très très geek, tu vois, je suis des acteurs du MCU. Et elle a une de ses chansons qui a été reprise par Brie Larson. C'est la boss. Et c'était fou ça. Non, c'est fou. Mais tu vois, c'est aussi générationnel où, bon, bah, elle a 24 ans. Mais tu vois, par exemple, les sportifs, genre les trucs que j'ai pu faire avec David Godu, Clara Burel, qui sont peut-être des gens moins connus que. Bon bah les numéros 1 enfin sont quand même très connus tu vois mais c'est pas genre Amélie Mauresmo où tout le monde a déjà entendu parler d'Amélie Mauresmo la retraite etc ça joue mais du coup ça crée des histoires qui sont personnellement trop cool à vivre parce que c'est aussi des contacts humains où au-delà d'avoir le truc de bon putain j'ai reçu quelqu'un dans mon émission c'est surtout je connais quelqu'un et on partage quelque chose ensemble que j'apprécie et qui du coup me hype au quotidien c'est trop bien, fou. Tu vois, de pouvoir... Là, Godu, il y a le Tour de France, je suis en mode... let's go ! C'est trop bien. Ça va supporter à fond. Ça, du coup, ça m'anime beaucoup, ça. Je t'ai vu sur... Il n'y a pas longtemps, sur France Inter. Ouais. Comment t'as perçu le... Parce que moi, j'ai trouvé ça assez magique. Ça m'a rappelé, justement, les grandes années de Squeezie, quand il va chez Ardisson, quand il va à Quotidien, et que... Plus les mecs lui parlent, plus ils comprennent qu'en fait, contrairement à ce qu'eux pensent, ils ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas obligatoires dans l'action de création ou pour faire parler de quoi que ce soit et tout ça, tu vois. J'avais trouvé qu'il avait été reçu avec énormément de condescendance de la part des vieux Squeezie, c'était terrible. Mais je ne sais même plus quand ça date, tu vois, tous ces trucs de... Quelques années, hein. Antoine Decaune, de Ardisson qui parle mal à Squeezie, Antoine Decaune, de Salamé avec Natou, ça c'était terrible. Mais tu vois, Antoine Decaune, moi je t'avoue que quand on m'a proposé de faire son émission pour parler de mes livres, j'ai hésité, du coup. Bah, un quart de seconde quand même, parce que bon, déjà c'est Decaune, donc je fais partie de la génération où c'est quand même cool. Antoine Decaune, c'est quand même génial, tu vois. Sauf que tu vas chez lui en sachant que le mec, oh, il te prend un peu pour un sale gosse, quoi. Et c'est terrible, parce que Decaune, c'est littéralement le mec qui écrit les paroles de la chanson du générique de Cobra. C'est le gars qui fait l'Esprit Canal. C'est le mec qui présentait au début de sa carrière une émission sur le rock, à l'époque où le rock, c'était justement le truc que la bien-pensance prenait de haut, en mode, bon, quand même, c'est quand même pas de la vraie musique, les gars, détendez-vous, tu vois. T'arrives chez ce gars-là en sachant ce qu'il a pu dire des gamers ou des geeks, tu dis waouh, c'est dur quoi. Et j'ai été hyper bien accueilli et avec énormément de. C'est très cool, j'ai même fait plusieurs fois. Je me suis dit que je devais être un bon client pour que les mecs me rappellent, tu vois. Généralement, tu fais ta promo, puis du coup, l'année d'après, ils te rappellent pas, ils te rappellent. J'ai trouvé ça bien. Mais j'avais un peu peur, tu vois, j'avais un peu peur parce que déjà, moi, je suis dans le milieu de la cuisine, c'est les mecs me regardent un peu bizarrement. Hein. Je fais à manger bouffe, des films, des dessins animés et tout ça. Après, ils viennent, ils voient que j'ai les bases de cuisine, que je connais le jargon, que je connais le métier, que je l'ai fait, machin. Donc, tu as cette espèce de cooptation, tu vois, qu'il n'y a pas avec les médias. Moi, j'ai quand même l'impression, quand tu vois les traitements de certains journalistes avec le pass culture, le pass manga, qui regardent quand même toute cette pop culture et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux d'un petit peu haut, tu vois. Ah bah ouais. En se disant, tu sais, en mettant en opposition. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on soit en opposition, tu vois. On fait un contenu différent avec des contraintes différentes. Non, mais je pense que c'est ça le plus gros. Je pense que les mecs s'en sont rendus compte, tu vois, qui ont eu des propos ou des avis déplacés. C'est que je pense que c'est de plus en plus dur. On doit faire quoi parce Pour l'instant, on attend que ça bouge. Ah, ok, ça va, parfait. Je pense que c'est de plus en plus dur, plus tu vieillis, de voir arriver les nouvelles tendances et de pas forcément les juger, mais d'essayer de soit se mettre à la place des jeunes, parce que tu vois, du coup, forcément, quand tu as 10 ans de plus, tu peux ne pas les prendre de la même manière, et de rester un peu humble et d'une position un peu neutre, tu vois. Et je pense que c'est le gros truc qui est difficile, parce que toujours, tu vois, genre Antoine Decaune et compagnie, bon, bah, du coup, ils nous ont défoncé. Quand TikTok est arrivé, nous, on a défoncé.
Tu vois, genre, quand il y a Michou qui était arrivé, bah, tout le monde était en mode, bah, putain, bah, le mec, il a 16 ans, il fait de la merde. T'es en mode, ouais, mais il a 16 ans, donc il fait du contenu parce qu'il a 16 ans. Il fait ce qu'il fait. Et du coup, c'est toujours ça, tu vois, où moi, j'ai essayé de... Avant, je taillais, enfin pas je taillais un peu tout, mais j'ai essayé d'avoir du recul sur moi-même, de me dire bon, est-ce que c'est moi qui suis pas la cible ? Est-ce que justement, il y a des trucs aussi qui sont pas bien, tu vois ? Est-ce que je parle le bon langage ? Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas bien, mais d'essayer de comprendre un peu plus le, ok, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça plaît aux jeunes ? Enfin, tu vois, j'ai 26 piges, hein, donc je suis pas dans cette situation-là. Mais je pense que plus tu vieillis, plus tu as un décalage qui se fait. Et avec, bah, avec tous les réseaux sociaux et tout, il y en a qui se sont fait larguer et du coup, les mecs ont pris de haut en mode, nous on est dans notre tour d'ivoire et on vous regarde d'en haut, quoi. C'est un peu ça, mais bon, moi. Non, mais c'est surtout pas leur avantage, quoi. Donc les gars, ils sont quand même énormément. Non, c'est pas leur avantage. Puis surtout, ils y viennent. Finalement, ils y viennent, tu vois. Je pense à Koé, qui est maintenant sur Twitch très régulièrement, qui fait ses scores. C'est quand même une bonne manière de bosser. Là, on va faire rapidement sur la crème de petits pois. Dis-moi. On va les blanchir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va les mettre dans une eau bouillante et qu'ensuite, on va les balancer dans une eau glacée. OK. Et qu'ensuite, on va les mettre là-dedans avec un peu de bouillon. OK. Et on va les mixer. Ok, voilà. Ça marche. Pourquoi on fait ça, l'eau bouillante, l'eau glacée ? C'est pour littéralement stopper la cuisson. D'accord. Et éviter l'oxydation, garder la couleur en fait. Ok, d'accord. Voilà. Ça marche. Tout bêtement. Donc, je mets tout dans un ? Exactement. Et on va lancer une autre casserole d'eau bouillante parce qu'on va faire le fameux œuf mollet. Pa, 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 pa. Joli le petit pois. Eh, c'est du beau petit pois là. Tu vois, c'est du beau petit pois. On va ajouter du petit pois qui était parce que comment tu donnes du. Moi, j'adore les petits pois. Ouais. Mais souvent, tu fais des petits pois justement sans rien ou sur t'es surgelé, etc. Ouais. Là, tu fais cuire ça dans de l'eau, tu les bouffes, c'est dégueulasse. Dans de l'eau, tu les mets ensuite un petit peu au beurre et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Tu vois, on va les travailler, on va leur. Ça, c'est comme les haricots. Les haricots, tu fais juste des haricots genre dans de l'eau, c'est dégueulasse, quoi, je trouve. Bah les haricots verts, les trucs comme ça, la vapeur. Ouais. Les trucs à la vapeur, je trouve que c'est. Ça manque de. T'as mis quoi avec ? La même chose. Ah, ok, d'accord. Au cas où. J'avais prévu le coup, au cas où on n'en est pas assez, exactement. Moi, j'avoue, ça, c'est le truc de la cuisine où parfois, bah, tu vois, petit, je préférais les trucs en conserve. Parce que, bon, bah, le truc, ils te mettent du sucre naturel. Enfin, pas naturel, mais ils te mettent du sucre en plus, quoi. Ouais, ouais. Qui fait que t'es en mode. Putain, c'est l'apéro, ça ? Ok. Oui. Let's go. Je t'en découpe. C'est quoi, c'est du chorizo ? Du chorizo, ouais. Allez. En fait, on va. Là, je t'en mets pour toi. Hein. Je suis chaud. Je t'en mets pour toi. En fait, on va en faire des petits dés. On va préparer en fait notre crème de petits pois. Ok. Avec un peu de chorizo dedans. Ouais, exactement. Bon, ça. Ouais, ça. Ça c'est pour toi. Trop bien. Tu peux y aller. Alors là, ils m'ont placé le chorizo au frais. Si vous vous posez la question de pourquoi la peau elle est blanchâtre comme ça, c'est parce qu'à la prod ils ne savaient pas et ils m'ont fait les courses. Ils sont adorables. Quand est-ce que t'enlèves ou t'enlèves pas la peau ? Moi, j'enlève toujours la peau. Ouais. Sauf quand t'es sur une saucisse molle ou un truc comme ça où t'as besoin du boyau, mais basiquement j'enlève toujours le boyau. Ok. C'est pas utile. On va faire des petits dés. Donc pour faire des petits dés, on va donner une forme, tu vois. On va enlever un petit peu. Voilà. Et ensuite, on coupe ça. Joli. Tu vois, tout bêtement. Boum. Parce que je suis un mec sympa, je te laisse les parures, regarde. Ouais, non, mais oh là là. Merci, monseigneur. Vous êtes trop bon. Toc. Non, mais faut qu'il en reste pour le truc. Ouais, t'inquiète pas, il va y en avoir. On va mettre ça là. On va les faire poêler. Alors, les petits pois. Ça boue là, ça boue. Ouais, les petits pois, ils sont très bien. On va les égoutter. Donc, pour ça, il faut que tu prévois un égouttoir qui doit être dans ces placards-là. Ok, j'y vais. Boum, égouttoir. Voilà. Ok. Donc, non. Tenter. J'ai tenté. Non, alors. Oh non, les petits pois. C'est bon, ils sont beaux là. Ils sont en train de mourir. Ça, c'est normal, t'inquiète. Voilà. Les petits pois, là, tu vas pouvoir. Donc, l'égouttoir dans l'évier. Ouais. Tu vas verser. Est-ce que je t'ai fait le bain d'eau glacée ? Oui, il est là-bas. Tu vas verser exactement les petits pois dans l'égouttoir. Et ensuite, tu vas tout de suite les mettre dans le bol qui est sur ta gauche d'eau froide. Voilà. Putain, on les blanchit là. Voilà, exactement. C'est ce que nous faisons. Voilà. Et là, on les laisse ? On laisse quelques instants. Ça réégoutte après ? On les réégouttera juste après, exactement. Donc là, tu vois, regarde, ils sont quand même bien beaux, bien verts. Ouais. Ils sont juste parfaits. Tu me dis hein, quand je les renvoie. Eh ben, t'inquiète, pour l'instant, on va les laisser. Derrière nous, on doit avoir de l'huile d'olive. Tu peux en mettre dans la petite casserole.
ouais. qui est déjà sur le feu. Ouais, tu mets un beau filet, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est parfait. Et tu mets la poêle à chauffer. Feu moyen, je t'envoie du 5. T'envoies du 8. J'envoie du 8. Voilà, faut bien mettre sur la, exactement, faut juste bien mettre sur la plaque. Nous, on va refaire chauffer de l'eau pour les œufs. Ok. Et là, faut qu'ils retombent les petits pois, c'est ça? Non, faut juste qu'en fait, on soit sûr de bien stopper leur température. Ils vont retomber mécaniquement. Et ok. Ils vont dire attention à toi. Alors, là, on a notre petit chorizo andé. Ouais, il est pas mal, le chorizo. Hein. Je te le conseille. Allez. Ouais, bien. On a notre pain, regarde. On a du pain, on va faire des croutons. Oh, mais c'est la folie, là. Putain, on va bouffer. Non, on commence à manger, là. Oh là 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 là, j'ai trop faim. Alors. Oh, ça, je vais laisser pour... Non, vas-y, on va s'en servir. Super. T'enlèves la croûte et tu me fais des petits croutons, des tout petits dés. Alors, quand tu travailles les couteaux, regarde. Tes doigts, phalanges. Comme ça. Voilà, et tu grippes avec ton pouce. Ton pouce, c'est un appui. Faut qu'il soit vraiment appuyé, comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Et tu ranges bien tes doigts. Le but, c'est de bien ranger ses doigts, de ne pas se couper. Ok. C'est vraiment la clé. Boum. Alors. Je me lave les mains. Et la croûte, on fait quoi? On va la faire revenir un peu, caraméliser? La croûte, on va en gros, nous, pas en faire grand-chose, mais on peut la garder, la faire sécher et ensuite la mixer pour avoir des croutons, de la chapelure. Ah, pas mal, ouais. Là, je te fais des petits dés, quoi. Exactement. Format 2 sur 2. Format comme cela, très petit. Alors, moi, je vais m'intéresser vite fait à notre bouillon de légumes. La crème de petits pois, tu vas voir que... Elle va être top. On va avoir un vrai goût de petit pois avec l'Écosse là qu'on a mis. Ça coupe bien les couteaux, hein. C'est quelle marque? Ça c'est la marque de notre partenaire, hein. C'est Tefal, hein. Bravo. Bel appel du pied. Alors, toc, voilà. J'ai fait de la merde. Alors, je vous lis un petit peu, vous êtes loin. Pas de main, pas de chocolat. Oui, alors il y a une seule personne qui s'est blessée sur cette émission. Ah ouais? C'est moi. J'ai montré un truc à... Je crois que c'est Xari ou Marie Palot, je sais plus qui. Comme ça, genre? Ouais, c'est très bien. Et je me suis littéralement tranché. Oh merde. Le bout de l'index. Ongle et doigt. Hein. Tu t'es déjà fait, genre, des sales blessures? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. T'as encore tous tes doigts? Ouais. Mais j'ai des cicatrices aux doigts et des brûlures. Et j'ai une seule grosse cicatrice, elle est à mon crâne. Ouais. Ça m'est arrivé en cuisine. Merde. Je cuisinais pour Nobuo Uematsu, le compositeur des musiques de Final Fantasy. Et j'en ai fait plein. C'est parfait. Et comment dire, je suis tombé en cuisine. On n'avait pas fini le service. Quelqu'un a voulu avancer le travail en passant la serpillière sur le carrelage. J'ai glissé, je suis tombé sur le crâne. Et je me suis je me suis ouvert la traite. Ouais, ouais. La veille. Genre, 9 points de suture, ça. Ouais, 7, mais ouais, c'était bien. Les petits pois dans l'huile d'olive. Ok. Mais du coup, les casseroles sans truc, c'est pas chiant. Oh, yeah. Oh, bordel! C'est ce que je te dis, moi. Ouais, un moment où... Regarde. Petit on va plan... Faire. On va faire sel, poivre. Tout bêtement. Boum. C'est beau, hein? Oh, c'est beau. Là. Ouais. Vas-y, comme ça, j'arrête de manger après, parce que... Mais non, mais continue. Non, attends, mais c'est chiant quand on parle et tout, c'est chiant. Ah, ça, c'est très bien, regarde. Donc là, hop, on remet. Il est sympa, merci. C'est des plaques un petit peu sensibles. Dès qu'elles ont un petit peu d'eau, elles te font hop, 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 hop. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais, Bobby? Alors là, on va prendre nos poils. C'est un truc un petit peu compliqué, parce qu'on se fait vraiment un dressage un peu, un peu beau. C'est en multi-cuisson, multi-préparation. Exactement, exactement. On va faire, regarde... On va faire une poêle avec plein de choses. Pour notre dressage, ça te va les asperges, ça passe? Ouais. Super. J'ai vu que c'était pas mal sur Top Chef de faire cuire les asperges comme ça. Ah, t'es un bon. Ouais. Et à ce qui paraît, ça a l'air d'être pas mal, parce que du coup, ça te fait la tête qui reste fondante et le bas qui est croustillant. Et c'est exactement ça, en fait. Bah, c'est une technique d'Alain Passard.
Un passard, chef triplement étoilé, c'est l'un de nos grands maîtres de la cuisine. Il y a combien de chefs triplement étoilés en France ? Il y en a quelques-uns, je ne connais pas le chiffre, mais il y en a quelques-uns, c'est pas non plus le plus grand nombre. Hein. Okay. C'est une dizaine, genre ? Deux dizaines, peut-être. Okay. Peut-être un peu plus. Mais pas beaucoup plus. C'est pour avoir à peu près 800 chefs, t'as 800 chefs, t'as peut-être. Et chef, ça veut dire quoi ? C'est une étoile minimum ? Non, chef, c'est chef de cuisine. Okay. Chef cuisinier, ils ne sont pas tous étoilés. Et comment t'es chef ? Quand tu diriges une cuisine. D'accord. Quand tu cuisines et que tu diriges une cuisine. Ok. Voilà. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui fait à manger. Mais par exemple, le truc de cauchemar en cuisine, le mec qui est dans son... tu vois, il est... Non mais c'est pour comprendre. Non mais je te donne, sur sa fiche de poste, il est chef de cuisine. Ok d'accord, ça il y en a 800 en France du coup. Non, des restaurateurs, des restaurateurs qui dirigent leur cuisine parce qu'ils sont leur propre patron, il y a plusieurs dizaines de milliers de restaurants en France. Parce que j'étais en mais mode... des chefs qui visent l'étoile ou étoilés, voilà, il y en a quelques centaines. Oui, c'est ça le laps. Ah, regarde. Parce que j'étais en mode, il n'y en a plus que 600. Hein, c'est fini. En France, c'est chaud là en ce moment. En France, c'est chaud, hein, c'est sûr. Hein, mais non. Et en fait, quand tu vises l'étoile, t'es à un niveau déjà technique, qualité de produit, cadre, c'est autre chose. Alors, on va allumer ici. Là, on a fait revenir nos petits pois. Tu vois, ils sont bien. On va les mouiller à hauteur. Ce qui veut dire qu'on va utiliser une louche. Ce qui veut dire qu'on va ouvrir ce tiroir. Le mec, ça fait des semaines qu'il vient bosser ici, c'est toujours pas où sont les choses. Est-ce qu'on en a une là ? Oh, c'est vrai que là, c'est une cuisine, c'est full équipé. C'est vachement plus grand. Moi, chez moi, j'essaye de montrer aux gens qu'on peut faire à manger, tu sais, sur un mètre carré. Ouais. J'ai écrit 4 de mes livres dans une pièce, dans un appartement de 17 mètres carrés. L'idée, c'est là, de dire... Et là, tu mets le bouillon, là. Voilà. Et là, et c'est là où les petits pois, ils vont avoir du goût. Exactement. Putain, c'est ça qui fait la diff. Ah ouais. Alors, regarde. On mouille à hauteur, pas plus haut que... Ok, le bord, enfin le... Que la limite de la chose. Sinon, on délaverait les choses. Alors, ce serait bien qu'il arrête de nous couper la plaque de cuisson, Bobby. D'accord. Non, c'est exactement, t'as tout compris. Alors, voilà. Quoi, moi. Là, on va bouillir, là, on a l'œuf. Alors, regarde, là, on va pouvoir mettre dans cette poêle-là, on va pouvoir mettre les croûtons de pain et les dés en de chorizo. Exactement. Alors, d'abord les croûtons de pain, ensuite on enlèvera les croûtons de pain. Les dés de chorizo. Alors, voilà. Et c'est pas grave si lui, il est pas bien réparti. Non. T'inquiète pas. Ok, j'envoie. Exactement. Alors, on a de la flotte, je vais en prendre. Tu veux un peu d'eau ? Ouais, je veux bien, je reviens bien ma bouteille. T'en avais ouvert une, ouais. Hop. On les mouille légèrement. Ouais, c'est bien. Non, c'est non, moi, mais je le cuisiner, c'est le feu. Moi, je suis vraiment une merde. Mais j'ai un peu appris, déjà. Et ça va faire hyper sponso, mais ça ne l'est pas. On a découvert avec ma meuf, mais il y a pas mal de marques qui font ça. Genre HelloFresh et compagnie. Ouais. Tu sais, genre où du coup, tu commandes pour ta semaine. Ouais. Ils te font des paniers avec pile les ingrédients. La recette, c'est toi qui cuisines. Ouais. Et c'est pas si mal. Non, mais en vrai, c'est même bien. Tant que tu cuisines toi et que tu manges pas. Un truc déjà fait, tu vois. Déjà prêt, dans lequel on a assaisonné pour toi, dans lequel on a mis. Et mais du coup, c'est pas mal parce qu'au moins, t'as tous tes ingrédients, t'as tous tes trucs, tu vois. Et genre récemment, là, je me suis un peu chauffé. Du coup, bon, bah, t'as ta petite recette, boum, boum. C'est assez sympa. Bah, en vrai, c'est. Moi, je valorise ça. J'habite plus à Paris depuis 3 ans. Ouais. Je suis à une heure de Paris. Je me suis mis au vert parce que la vie parisienne, c'était le show business, c'était trop compliqué. et c'est vrai qu'on n'a pas ces services-là, mais je trouve que c'est vachement bien. C'est bien mieux que que les trucs que des plats préparés, exactement. Alors, faut savoir se faire plaisir. Je suis pas contre les choses. Hein. C'est pas la question. Faut savoir se faire plaisir, mais quand tu cuisines ce que tu vas manger, déjà, tu sais ce que tu mets dedans. Ouais. T'es rassuré. Pas de trop gras, pas de sel qui sert à rien, pas de produit qui sert à rien. Quand tu prends un plat préparé, que tu retournes l'étiquette, que tu regardes et que tu vois qu'il y a 38 ingrédients, ouais, je dis bon, mais pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin de manger tout ça, tu vois ? Je ne crois pas. Alors attends, je dois chercher un mixeur plongeant. Voilà. Qui va nous servir à faire notre petite crème. Alors. Comme l'impression qu'on aurait pu mettre un foie là-dessus. Alors, monsieur, hein ? Alors, en vrai, je pense pas. Mais bon, je sens que tu vas m'en vouloir. Alors que tu vois, regarde, t'as monté des blancs en neige maison. Boum, boum, ça va. Tu l'as fait à l'ancienne, en mode combat. Et c'est ce qui compte, tu vois. Toujours pas. Là, on aurait pu mettre un foie là-dessus. Ah ouais, là, ouais. Alors...
Bon, on va trouver. On va trouver. Alors, on en est où les potes, nous ? Bah, ça se passe, hein. C'est pas mal, hein. Est-ce que c'est le bon matériel ? Non. Alors, nos petits pois, est-ce que tu peux les baisser ? Ouais, je rajouterais bien un tout petit peu de bouillon, peut-être. Non. Non, parce qu'on va les crémer. Ah. On mettra un petit peu de crème. Ah, donc là, t'attends qu'il y ait plus d'eau ? Non. On va juste les aromatiser, tu vois. Okay. Et ensuite, voilà, tu peux, par exemple, là, je pense qu'on peut même éteindre. Et c'est très bien. Ok. C'est juste que là, on a besoin de notre mixeur plongeant. Sans quoi, nous ne pourrons pas faire cette purée. Sans quoi, cette recette n'existera pas. Ah ouais, c'est... Oh, regarde, ça aurait pu être mis sur la machine pour faire le... Voilà. Toc. Putain, je sens que je peux aider, là. Bah vas-y, on est à la recherche du mixeur plongeant. La partie plongeante du mixeur. C'est-à-dire vraiment ce que tu fous dans... Ça. Mais ça, tu vois, j'ai pas l'impression que ça copule. Alors attends. Putain, j'ai le même chez moi en plus. T'es sûr ? Attention. Ah ouais, alors là, je pense qu'il faut qu'on enlève le pain. Faut que t'enlèves le pain. Bon, ceci étant dit, j'ai trouvé une solution. Je le mets où ? Alors, ouais, très bien. C'est bon, j'ai trouvé une solution. Vas-y, parfait. J'espère avoir trouvé une solution. Ouais, parce que là, c'est vrai que ça rentre pas. Hein. Mais alors, c'est chelou, parce que pourtant, c'était les... Moi, j'ai un truc comme ça. J'ai un truc comme ça, et pourtant, normalement, c'est bon. Ah, on n'y a pas pensé, les gars. Hein. On n'y a pas pensé. Tu veux que je fasse un autre truc en attendant ? Bah non, pour l'instant... Je mets le chorizo, peut-être, non, avec le pain ? Le chorizo, alors, t'as enlevé le pain ? Ouais. T'as enlevé le pain de la poêle, tu remets la poêle sur le feu, tu mets le chorizo. Vas-y, le pain, c'est ouais. Parfait, tu peux faire ça. Ok, vas-y, ça part. C'est très bien. Je te remercie de cette réactivité bienveillante. Attends, je te vois en galère là. Je sais bah pas oui, quoi mais faire en fait, si on n'a pas le petit truc, on peut pas le faire. Boum, c'est le feu en cuisine, coup de feu quoi. Voilà, t'as tout compris. Putain, ça doit être incroyable, la pression que ça doit être là quand t'es en mode OK, on envoie. Je sais pas vraiment si c'est incroyable, c'est la souffrance, mais oui. Ouais, ça doit être. Non, c'est ça. Hein. Mais moi, ça m'impressionne parce que du coup, chacun a une tâche. Ouais. Genre. C'est vraiment ça. Parce que c'est vrai que c'est ouf la quantité de produits qui sont capables de sortir, tu vois, des cuisines différents et tout. Bah, le truc, c'est que je ne sais pas si tu as suivi là, donc, la finale de Top Chef. À Top Chef, par exemple, ils passent 5 tonnes de produits. J'y arriverai pas. Hein, 5 tonnes de produits sur une saison. En restaurant, par exemple, j'ai des amis qui utilisent, des frites déjà découpées par le gars qui les produit. Et on leur dit ouais les gars quand même c'est pas cool. J'éteins la plaque, couper... attends, pardon, j'éteins pour le chorizo. Tu éteins pour le chorizo, exactement. Okay. Vous pourriez découper vous-même. Et les mecs ils sont là, ouais on pourrait, ouais, mais en fait on passe 800 kilos de frites par semaine, tu vois. Ouais, au bout d'un moment. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais. C'est bon, tu l'as ? Ouais, faut pas trop regarder le bordel que j'ai mis, mais oui. Ah, j'ai vu que t'étais en galère, bien ouais. Allez, on est bon. En fait, ça a c'est parfait, c'est très bien. Ça a cuit, c'est pas grave. Juste non, c'est pour très laisser bien. Un peu moins, quoi. Exactement, tu peux les remettre dedans tout de suite. Ok, boum. Ouf, on est bon. Oh, le chorizo comme ça, c'est hallucinant comment c'est bon. Est-ce qu'à la régie, vous pouvez m'amener une rallonge électrique, s'il vous plaît ? Un technicien court vers nous. Oh là là. Un technicien court sur ta position. Je te mets le bout de pain dedans ? Non. Ok. Comme ça, on va pouvoir garder et dans la poêle. Tu vas pouvoir mettre les pointes d'asperges. On les fait pas. Tu veux que... non, on peut pas. Sans voilà. Rien comme ça là. Tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive, filet d'huile d'olive. Par dessus. Exactement. Merci énormément. Désolé, on n'avait pas prévu que c'était la galère. L'équipe de 750 grammes en PLS en voyant le placard après. Oh oui. T'inquiète pas, ouais. Voilà. Merci comme ça, beaucoup. Genre j'en ai ouais, mis... c'est bien, c'est okay. Bien. T'inquiète, c'est j'en ai mis bien. Beaucoup. Maintenant, sinon, on va tester. Asperges, faut... Allez. Bon, la crème d'asperges. Non, parce qu'après, on a un magret de canard derrière à faire, nous. On n'est pas là pour rigoler. Voilà, fais-les vivre, là. Voilà. Boum, hop, ça sort. Ah, ça, c'est le feu. Quand là, tu sais tout ce que t'as à faire. Tiens, c'est vas-y, trop bien. Mixe-moi ça. Je te mets en turbo ou... Comme tu le sens. Commence par des petits à-coups. Voilà. Et là, tu vois, cette crème, elle est en train de naître. Ça va ou pas ? Oui, j'aime bien, moi, se faire ça. C'est ma mission à la maison aussi. Ça, c'est toi qui fais le mixing ? Ouais. Pas capable de faire beaucoup de choses, donc... Bah non, je trouve pas. Et là, on a une très, très belle crème de petits pois qui est en train de se dessiner. Hein.
Salut. Ouais, j'ai des phases un peu bizarres parfois. Non, ça va, regarde. T'en sors bien ? Alors ? On est bon là ? Bah moi je trouve qu'on est bon. Plus ? Non, c'est très bien. Ok. Alors tu vas pouvoir enlever la tête. Ah ouais, tout bêtement. Je te... Voilà. Ça, c'est comme ça, on la met de côté parce qu'on va s'en servir tout à l'heure, dans quelques instants. Là, ce que tu peux faire, c'est prendre une cuillère ici. Ouais. Et goûter la crème, on va voir si elle est assez bien assaisonnée. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a encore des écorces. Enfin, les... Ah, il y a encore du... Oui, non, ça, c'est parce qu'elle n'est pas très fine, on l'a pas affinée. Ah. Mais c'est pas grave. Okay, la question, je c'est... pas que je rebatte le truc. Tu peux, mais quand on mettra la crème, tu verras, okay, c'est pas d'accord. Plus simple. La question, c'est en termes d'assaisonnement. C'est pas mal, hein. C'est très léger, quoi. C'est léger, ouais. Tu penses qu'il faudrait saler plus, poivrer plus ? Moi, j'aime bien le poivre, après. Je suis un peu... Ah, voilà, le gars ! Le poivre, après, ça dépend des gens, quoi, mais... Mais nous, on y va. Ok. Tout va bien. L'œuf. Alors, il va falloir que tu ailles prendre. J'ai remis la cuillère. Un petit bol là-bas. Mm. Un petit bol. Ou alors, attends, est-ce que j'en ai un ici pour pas te faire courir ? Moi, j'en ai là. Voilà. Là, on va faire l'œuf. Vous allez voir, ça va être fou. Tu veux un petit. Voilà. Juste un petit bol, quoi. Ouais, vraiment pour mettre un œuf et le casser un œuf dedans et ensuite le verser là-dedans. Ok. Alors. Derrière nous, on doit avoir un bol de crème fraîche. Ouais. Voilà. Tu vas pouvoir prendre une grande cuillère ou une spatule en bois, celle-là par exemple, et me mettre une bonne cuillerée de crème fraîche là-dedans. C'est très bien et c'est suffisant. Et là, on fait notre petite crème de petits pois. Tu vois ? Ah, c'est la crème fraîche qui va rendre le truc un petit peu plus... Ok, d'accord. Exactement. Voilà. Là, la crème de petits pois, elle est très bien. Donc, on va pouvoir s'en libérer. Tu casses un œuf dans le bol. Je le laisse dans le bol ? Ouais, tu le mets dans le bol. Avec le blanc en tout, quoi. Tu casses l'œuf dans le bol, vraiment. Voilà. Moi, je mets une toute petite pointe de vinaigre dans l'eau. Ça, c'est pour que ça coagule, enfin, pas coagule, mais que ça... Ça aide à coaguler, exactement. Ah si, c'est justement coagule. C'est exactement le bon terme. Ensuite, on va utiliser une de nos spatules. La technique pour l'œuf poché, c'est qu'il faut le laisser tranquille. Ouais. Les gens, ils essayent de se balader avec l'écumoire, ouais, pour ramener le... Ah, tu comment lui fais il fait-il, des machins et non, 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 non. Tu le laisses tranquille. Alors, je l'ai fait plusieurs fois, vous pouvez trouver ça sur mon compte TikTok. Foiré. Ouais, il faut. Toc. Alors, mais pour réussir ça... Là, regarde, en termes de, ouais, en termes de d'éléments de dressage, on a nos petits croutons à l'huile d'olive, ouais, notre chorizo, notre crème de petits pois, ouais, notre œuf et les asperges. Donc l'œuf, tu crées un vortex. Ah oui, c'est ça qui est ouf. Tu crées le vortex, vas-y, prends le bol, tu vas le verser. Doucement. Non, non. Fortement. Quand je te le dis. Je le jette, quoi. Quand je te le dis, tu le verses en une fois, mais en une fois au centre du vortex. Ok, putain. Attends. Il y a un vortex. Non, il est pas. Allez, vas-y. Ouais. Et là, regarde, tu fais rien. Ah, je l'ai un peu... C'est pas grave. Tout va bien ? Non, tout va bien. Tu fais rien. On va gentiment, nous, un tout petit peu, ouais, redessiner la course. De... La course du blanc. Il est libéré, regarde, quoi, voilà, celui-là. On le sent que... Et là, il faut... J'aime la vie. Là, il faut essayer de l'enfermer, quand même, J'en ai pris 24, donc ça va le faire. Et voilà, hop, on est bon. Et là, tu touches plus pendant 2 minutes. Il est reparti dessus. Regarde, regarde bien. Hop, en sac plastique. Exactement. Boum. C'est pas mal ou pas ? Ah ouais, là il est prêt au piège. Et voilà. Et là on laisse 2 minutes. En fait, l'albumine et le blanc d'œuf, ils se collent. Ok. Donc tant qu'il y en a sous le jaune, ça va mécaniquement revenir. Ok, d'accord. C'est aussi simple que ça. Ah, le vortex, hein. Le vortex, c'est la clé. Ah, le vortex, il est maîtrisé, hein. Technique Gordon Ramsay. Je le dis, hein, il faut reconnaître les maîtres. Là, on va pouvoir le laisser. On va et Ramsès, c'était un chef étoilé ? Ramsès, c'est un chef étoilé, bien sûr. Okay. Ouais. Ouais, ouais. Ramsès, c'est un type, les gens... Tu sais, souvent à la télé, les gens se demandent « Mais est-ce que le gars, il est là pour la télé ou est-ce qu'il est vraiment bon ?» Ben non.
M6, ils font des émissions avec des millions d'euros de production, mais ils vont prendre les deux connards qui passent bien à l'écran plutôt que les gars qui cuisinent. Ah ouais, non, mais j'avoue que non, ça, je me demandais. Ramzès, c'est un très bon cuisinier, il a fait ses classes en France, voilà. C'est la vieille école de la cuisine. Et aujourd'hui, il se modernise à mort, c'est un vrai homme de télévision. Ok. Mais c'est la vieille classe de la cuisine. Bien plus que des mecs comme Philippe Etchebest, qui sont des vieux roublards, des vieux briscards de la tambouille, mais qui comprennent les usages de maintenant. Tu vois, quand tu regardes Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay, ça gueule beaucoup. Je sens que les mecs, ils ont besoin de se faire secouer. Philippe, il les secoue, mais il est quand même là pour leur apporter une solution humaine. Pas là pour les défoncer seulement, quoi. Alors, notre œuf, là, il est bientôt prêt. On va dresser l'assiette. Et c'est toi qui vas le faire. Mais on fait qu'un œuf ? On va faire une assiette pour nous. Après, on va avancer, t'inquiète pas. Pardon. T'inquiète pas. Alors, on a notre petit... crème de petits pois. Tu prends la louche et tu nous fais un beau lit de crème de petits pois. Voilà. Failli avoir du bouillon, là. Vas-y, une belle louche. Belle louche. Voilà. Hop, là, faut y aller. T'avais fait le bon geste. Vas-y, en une fois. C'est beau, hein, ce que tu fais. Tu peux en mettre deux. Tu penses ? Ouais, vraiment. Allez. La même ou un peu moins ? Un peu moins. Un petit peu moins. Ouais, enfin, moi, je m'en mettrais... C'est ta part ? Mais en deux adultes. Voilà. Ah ouais, là, c'est pas mal. Hein. C'est joli, ça, tu vois. Là, tu finis avec du gros pain, là, pour saucer. J'ai une dalle monstre. Ah, je vois ça, mais tu vas manger tout de suite. Regarde. Bah non. Ensuite, tu prends... Je t'amène... Reste, t'as parfaitement bougé. Là, tu déposes ce que tu veux en topping. C'est cadeau, c'est la maison qui régale. Et c'est quoi ? Je suis nul en création de... Tu sais, genre... En fait, il faut... Ce qu'on apporte quand on fait les dressages... Exactement. Ce qu'on apporte dans les dressages, ce qu'on va vouloir apporter, c'est de la structure. Et un peu de déstructure. Et un peu de volume. Alors, regarde. Tu en mets un tout petit peu ici, mais pas plus. Hop, c'est bon, parce qu'au centre, on va mettre l'œuf. Ah, putain, et donc, ouais, j'en ai trop mis. Une fois qu'on aura mis l'œuf... Je mets un peu de chocho quand même. Vas-y. Hop, faut pas qu'on tarde avec l'œuf. Pas qu'il cuise trop fort. Là, je pense qu'il est bien trop cuit. Il est trop cuit. On va... Ah non, c'est pas dit. On va en refaire un. Parce que tu vois... Ah, il est pas mal ce con. Ouais, il tient. Hop, regarde. Hop là. Tu me le déposes. Hop, ici. Et puis les pommes d'asperges que je te taille, regarde. Tu vas me les mettre tout autour. Tu vas les mettre, toi ? En petite barricade. En petite barricade ? Oh oui, petite barricade ici. Vas-y. Ah, je fais un petit jardin. Ah, on prend pas la tête ? On prend que la tête. Putain, je pose des questions. Ça, tu vas le grailler. Mais non, tu sais pas. On en refait un d'œuf. Tiens, forcément pas de boue, je suis bête. Bah, ça peut aussi. Là, on a été un peu trop patient avec l'œuf. On va en refaire un tout de suite. Barricade. Alors, c'est horrible. Il a fait les barricades. Petite barricade, au calme. Boum, je le présente sous un autre angle. Ah, mais là, bah, c'est joli quand même. C'est joli. Ouais, c'est. Là, si tu veux, tu peux prendre un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre. Ouais. Voilà. Et voilà, on va déposer quoi. Exactement. On va en faire un deuxième et puis on va s'attaquer ensuite à... Comment dire ? À notre magret de canard. Ah ouais, c'est vrai là. Bah oui, les gars. Boum. Et voilà, tout bêtement. Non, mais comment t'aurais fait pour un truc un peu joli ? Bah C'est pas simple à déposer quand même, ces trucs. Non, on va essayer d'en refaire une. Ça tu peux manger ça si tu veux. C'est bon ça ? Bah ouais. Hey. Les asperges, c'est quand même l'enfer après quand tu pisses. Hein. Ah oui, alors ça, oui. Il y a d'autres aliments qui font ça, parce que l'asperge, c'est quand même terrible, quoi. Bah. L'asperge rend l'urine horrible. Ouais, enfin, ça donne sent, un. Sent très fort. Voilà. Ça donne une urine. Bon appétit une urine. À tous. Et toutes. Alors, regarde. On va en dresser une si tu veux. Le dressage, c'est vraiment la partie la plus compliquée de la chose. Ah, vas-y, comme ça, on fait un petit comparatif. C'est vrai que c'est pas simple hein, de bien dresser. Tu vois, regarde. Non, je me trompe. Voilà. T'es sympa.
Voilà. Alors, moi, je vais attendre que l'œuf soit prêt pour dresser. Ok, oui, oui. Basiquement. Alors, on va la laisser là. Je vais m'occuper des asperges ici. Donc, dresser, c'est juste une histoire de savoir quand s'arrêter. Ouais. De se dire que le vide, c'est du plein. Ouais. Et accepter que par moment, il n'y ait pas. Ouais, de ne pas surcharger tout. Exactement, comme une brute, qu'il ne faille pas. Enfin, tu vois, rendre ça très. Trop gorsif, ce qui s'est passé à la finale de Top Chef de cette semaine avec Sarah, qui avait fait un très beau effiloché d'agneau, confit, pressé et tout, mais un peu servi, un peu trop. Brut, quoi. Brutal, quoi. Compliqué. Alors, donc là, moi j'ai mes pointes d'asperges. T'en as 5, je vais en mettre 5. Je dis pas que je ferai un meilleur dressage. Hein. Ah ben attends. C'est souvent, c'est. Après, c'est vrai que c'est j'ai mis avec hein. La petite barricade. La petite barricade, elle fait son effet quand même. Hein. Là, on se dit, tiens, mais elle mange, tiens, elle mange, mange, mange. Tu veux qu'on garde les deux Non. Comment tu fais? Tu manges à la toute fin d'habitude. Ah, mais là, non, mais là, ça va pas. Ça, faut que tu manges maintenant. Ah ouais? Tu m'as dit que t'avais faim, moi. Oui, mais je vais pas. Ah non, vas-y. Tu plaisantes. Je suis chaud pour gagner. Hein. Mais mange, tiens, vas-y, tu plaisantes. Le but, c'est de se faire plaisir. Ah bah là. Ah là, mon pote. On m'a dit que t'étais un taulier des lasagnes. Ah bah ouais, ça c'est. Mais un jour tu passeras à la maison si tu veux, je t'en ferai. Mais... Alors écoute, je dis pas non. J'ai ma recette des lasagnes, c'est. Et moi j'aime bien quand je vais chez les gens et que c'est pas moi qui fais à manger. Donc. Non. Alors, déjà, faut que ça marche en termes de goût. Ah, c'est vrai que la crème fraîche, ça a rajouté un truc. Hein. Carrément. Je viens d'avoir une idée. N'êtes pas prêt. C'est des pipasses? Non, pas mal. Non, c'est des graines de courge. Ah oui, pardon. Ça aurait pu, hein, les pipasses, ça, putain. Ah, ça, il faut le manger avec une cuillère, en fait. Eh oui, tu peux. Moi, je mange tout à la cuillère. Bah, tu peux, moi, j'aime bien. Je sais pas pourquoi ça ouvre pas. Voilà, ok, on a compris. Ils ont pas des grosses cuillères, tu sais. Si, peut-être dans la vaisselle. Ah ouais. Tiens. C'est quand même la folie, hein. À la cuillère... Alors, je vais essayer de te refaire un œuf qui est bien, qui est coulant. En dehors de ça, c'est bon ou pas? Comment c'est bon avec le chorizo? Bah oui. Qui va venir au-dessus du truc de petit pois là. Ça vient assaisonner, t'as porté le peps qui te manquait tout à l'heure. Ah, de fou. Alors après, on peut faire un truc encore plus ouf si tu veux. On va s'en remettre un peu dedans. Bah oui, mais attends, regarde. Ça, c'est le secret du chef. Citron? Citron vert, bouge pas. Pah! Ça t'a apporté la fraîcheur. Qu'en dis-tu? Ça aide ou pas? C'est bien ou pas? Ouais. Parce qu'on est emmené quelque part par le chorizo. Le citron nous dit, ah, c'est peut-être pas par là. On est ramené ailleurs. Ah, on est. J'aime bien, putain. On est transporté là. Alors, regarde. Voilà, je vais me couper mon feu. On a la crème, on a les pointes d'asperges. Elles sont là. On va les grailler. C'est bon. Mmh. Mais c'est une chorizo. C'est simple, hein? Ah ouais, mais c'est trop bon. C'est simple, on attend quand même l'œuf ici. Tu le coupes, l'œuf? Là, tu le casses. En fait, il serait coulant. Il est un peu. Il est pas mal encore. Il est pas mal, en fait. Ah, je suis content. Montre-le à la caméra quand même, qu'il voit qu'on n'est pas des baltringues. Ah, quand même. Alors, attends, faut pas trop bouger. Ils vont te choper ça. Presque. Tu vois, il est quand même coulant, on est pas mal. J'avais peur. Boum. J'avais peur. Oui, ça, tu vois, ça c'est un truc que je dis tout le temps en cuisine. C'est les gens disent, ouais, mais est-ce que tu triches pas, tu sais, quand tu dégustes, pour nous dire que c'est bon alors que c'est pas bon. Non, c'est très bon. Les gars, le corps, il triche pas. Si c'est pas bon, tu reviens pas dedans, tu mets pas des grandes cuillerées, tu mets pas... Tu vois. Alors, on va se faire un magret en cuisson, dès que j'ai fini mon truc là. C'est bon. C'est un magret en cuisson. Est-ce que je te montre rapidement comment on fait une entrée 3 étoiles? Ouais, vas-y, pardon. Une entrée 3 étoiles. Alors, le dressage, dès que mon œuf est prêt, je finalise. Hein. D'accord. Je vais en prendre un peu à boire. Vas-y. Oh, moi, je suis en folie là. Ah, là, c'est bon, ça te fait bon. Du bien. Ça, c'est le plus important, tu vois. C'est de se dire, tiens, hop. Alors, je te montre une. Est-ce que tu manges des navets? Ah, c'est dégueulasse, je trouve. Ah. Vraiment, je trouve que le navet. Je suis content. C'est peut-être le pire truc au monde. C'est je vrai. Je comprends jamais l'intérêt. Donc, d'avoir si j'arrive navet à si j'arrive à te faire aimer les navets quelque part. Ouais. On a fait le boulot. On peut dire ça. On ouais, peut dire. Ah, mais le navet, vraiment. On c'est... peut dire que si j'arrive, c'est bon. Bon, alors regarde. On va faire. Dès que j'ai trouvé un économe.
Allez, pas d'économe. On y va en mode bagarre. Ah bah, et mon eau qui bout. Non mais vraiment. Oh merde, c'est trop du coup. Non, c'est bien. Ah. Attends, c'est juste que... Ah là, du coup, il faut partir j'allais, en vortex. J'allais, hein. Voilà, j'allais faire un vortex, exactement. Donc, tu peux me recasser un œuf là. Mais il y a des gens qui aiment le navet, genre. Non, parce que le navet, tu t'en fais quand? Genre, à quel moment c'est réconfortant un navet? Bah, je vais te montrer. Ouais, comme ça. Mais non, sinon, avoue que tu es dans l'eau avec. Moi, je le mets quoi, dans les plats là, les plats avec patates, navets. Pot-au-feu. Ouais, pot-au-feu. T'as le seum quand tu tombes sur un navet. Il y a jamais un moment où tu dis oh ouais, pas une patate, c'est un navet, yes. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais tu vas dans l'idée. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Le truc a pas trop de goût. Alors le navet, Le combat prendre... maintenant, c'est Worm, c'est le navet là. Ça y est, c'est. Le navet, il faut le prendre en fait. Il faut le prendre nouveau, c'est-à-dire frais comme ça, bien, okay. Bien beau. Voilà. El Vortexos. Voilà. Ah ouais. Ah, il est mieux parce que tu l'as mis plus près de l'eau. Peut-être. Je note la tactique. Ça joue. Voilà, et là, on va le laisser tranquille quelques instants. C'est pas mal, normalement. Ah, il est pas mal, qu'est-ce que t'en dis? Ah ouais. Il se bouge un peu. On va lui mettre sa race comme ça. Là. Oui, parce qu'il faut savoir de temps en temps être un peu musclé dans le discours. Je vois ça. Voilà. Je sais pas si on va y arriver, hein, tu sais. Hein. Voilà. Et là, on le laisse tranquille. Du coup, le navet. Faut le prendre vraiment frais. Ça a du goût, un navet. Même si les gens pensent que non. même si la terre entière pense que non. Tu le fais cru? Ouais. Ah, tu le fais en... Non, ça, je pensais comme les trucs... pas les oignons jaunes, là. Les oignons nouveaux? Non. Non, c'est de la merde, ce que je veux dire. Mais non, dis-moi. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, les plats où c'est... Je vois un truc dans ma tête, un peu gastronomique, ouais. Un peu jaune, mais c'est un peu ambiance japonaise, tu vois. Ok. Coup, j'ai bouffé ça. Et c'est jaune, ça n'a pas trop de goût, mais c'est pas mauvais. C'est pas de la tomate, ah. Pas vraiment de l'oignon non plus, mais c'est un truc un peu dans ce... J'arriverai pas... Le daikon? Le radis, peut-être, le radis noir. Il n'y a pas du radis jaune, un truc comme ça? Il y a du radis noir ou du... Radis noir, ouais, mais un peu dans ce... Tu sais, radis noir, mais radis noir, c'est vachement bon d'ailleurs. Je vois, ça. Le peut-être top, que... hein. Regarde. On va garder la peau. Regarde. Ouais, pour ajouter un peu de goût. Quand on aime vraiment le navet, hein, c'est ça qu'on... Le vert du navet, là, il est délicieux. Je sens que je me fais troll. Eh bon, j'ai tout démoli, là, c'était trop bon. Bon, bah ça veut dire qu'on a bien bossé. Ah ouais, non, vraiment délicieux, quoi. Ah, panais, peut-être un peu de panais. Ah, c'est le panais. C'est peut-être du panais, ouais. Oui, le panais, c'est comme une grosse carotte un petit peu sucrée et blanche. Ouais, attends, je vérifie tout de suite. Boum. Va-t-il commettre deux fois la même erreur? Voilà. Peut-être du panais, ouais. Ou peut-être du daikon, ouais, je revérifierai. Alors, on va gentiment déposer au centre. Ça, on va l'enlever. Hop, attention à toi. On fait une vaisselle pour les copains après. Boum, boum, boum. Ok. Du coup, là, on va prendre le petit chorizo. Ouais. On pourrait même utiliser l'huile du chorizo, hein. Pour mettre un peu de couleur orange. Exactement, pour trancher avec la crème. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'on sent qu'il a eu une nuit difficile, l'œuf. On sent que... Non, c'est-à-dire que... Hey, on a tous des insomnies, ça arrive, hein, voilà, il n'y a pas de... J'adore. Non, mais... J'adore, tu sais, j'étais concentré en mode... Hey, le réveil, quel... petit torticolis quand même. Petit torticolis, j'étais concentré en mode... Mon œuf là... Il est bien raté quand même. Oh, ça c'est joli ça par contre. Là tu mets tes petits repos. Je sais pas si on arrivera à faire un truc vachement bien. Mais on va essayer. Ah non mais ça c'est pas mal pour poser du coup les asperges. J'avoue qu'en latéral c'était...
Les petites graines de courge. Ah oui. Et oui, là, ça habille. C'est exactement ça. Il faut toujours les faire griller, les graines de courge ? C'est mieux de les faire torréfier parce que ça révèle leur saveur. Ok, sinon c'est un peu... Un petit peu fados. Ok. On peut faire un truc comme ça. Alors, je voulais mettre des fleurs comestibles là-dedans, mais on n'en a pas trouvé. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des fleurs de thym. Les fleurs de thym frais, t'as déjà vu du thym séché, je pense. Et ça, c'est frais, ça. Et ça, c'est frais, ça sent très fort, ça sent très bon. Hop, on va y aller comme ça. C'est où, pardon, c'est là ? Vas-y, c'est dans le bouquet. C'est très aromatique. Oh, on est concentré. Ah, mais c'est le thym en mode jardin, quoi. Exactement. C'est-à-dire que sinon... Sinon, il est sec. C'est quoi le thym séché ? C'est le thym de c'est ça, local, quoi. C'est sec, exactement. Ouais, voilà, c'est ça, ok. Ah bah là. Qu'est-ce t'en dis ? Ah c'est très beau. C'est pas, c'est dur à dresser mais c'est propre. Ah c'est quoi. Pas simple mais c'est mignon ouais. Là les asperges voilà. Tout ça. Puis bon moi j'ai mangé donc je peux te dire que je sais que c'est bon quoi. T'en veux encore ? T'en reprends ah, hein. Bon. On m'a fait 4 assiettes. Je suis bien. Ah regarde. Ça c'est une mandoline. Ah je peux faire des petits. Là le navet tu veux t'en servir pourquoi ? L'entrée 3 étoiles Michelin. Ok. Donc. Là-dessus ? Non, à côté. Tiens, prends-moi une de nos belles assiettes qui est là-bas, là. C'est pratique, ça. Alors, c'est une mandoline, faut faire très attention. Ah, parce qu'elle est pétée, non ? Ou c'est, non, non, c'est ça ? Faire attention parce que c'est, une lame de, c'est deux lames de rasoir en V, en fait. Ouais, le bout, il est... Bah, tout là, si tu veux essayer d'en non, faire non, un ? Non, 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 vas-y, je suis bien... Je suis bien avec mes deux mains et tout va bien ? Ouais, ouais, fais-toi. Ouais, voilà. Moi, je me connais trop là-dessus, là, c'est... Donc là, le navet, il est nouveau. Regarde, okay. Goûte ça. Faut pas... Ça va avoir un peu le goût du radis noir, non ? Plus léger, plus doux, vas-y. C'est pas, tu vois, pas dégueu, c'est frais. Oui, oui. Qu'est-ce que t'en dis ? Non mais ouais, c'est le genre de truc sur les entrées, ils mettent souvent ça. Et c'est ce que je te disais justement avec le truc jaune, avec du panais, avec du... Ouais, ouais. Non mais ça, c'est vrai que ça se mange. Donc ça, tu c'est vois. Vrai que ouais. Mais c'est un peu ouais, c'est goût radis. Moi j'aimais beaucoup le radis noir, moi, étant petit. Bah ça fonctionne un peu de la même manière. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu les mêmes. Mais du coup, cuit. Cuit, ça prend. En fait, cuit, c'est comme une pomme de terre. Ouais. Ça prend le goût de ce que tu lui donnes. Les petites frites de navet. Eh, tu fais des frites de navet, ça n'existe pas encore. Non, on peut imaginer. T'es des petites. Ouais, frites. Grâce de resto. Ça va ? Ok. Bon, c'est simple. Ouais. Ok. Tu me prends tout petit peu de fleur de sel, tout petit peu. Que je mets un peu partout ? Ouais. Voilà. Ensuite, filet d'huile d'olive. Là-dessus, on va râper du parmesan. Carpaccio de navet. Exactement. Citron vert. Et boum, c'est 30 balles. Oui, ah. C'est un peu ça. Qu'est-ce que t'en dis ? Ah, c'est pas mal, hein ? C'est simple. Ouais. Tu vois, je sais pas si vous l'avez à la Zénithale, les gars. C'est super simple, regarde. On a fait deux petites tempura de crevettes en plus. Boum. Et là, tu l'as ton plat. Là, tu l'as pour pouvoir le vendre, il manque deux petites tempura. Tu veux, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remettre une couche. Tu peux remettre une couche de navet, une couche d'huile d'olive, parmesan, citron, ça. Et ensuite, tu roules. Et t'as des cigares assez épais, avec beaucoup de texture en bouche. Ah, c'est pas mal. Et là, c'est très simple. Si ça mourait au milieu. Hop.
Attends, regarde. On est... 4h du mat, petite dalle. Je vous mets ça là. Toc. C'est vrai que c'est sympa. C'est joli, tu vois, ouais. On fait des dressages simples. Ça, c'est Alain Passard, donc c'est le restaurant L'Arpège dans le 7e arrondissement. Alain Passard, je sais pas si tu connais, ça c'est un type. Celui que tu me disais qui a 3 étoiles. Ouais, ouais. Si jamais un jour, moi j'essaye de l'avoir en interview, si jamais un jour tu veux parler naturalité, cuisine de demain, cuisine intéressante, végétale et compagnie, c'est le gars qu'il te faut. Okay. Alain Passard, c'est le gars qui est 3 étoiles Michelin. Sur de la rôtisserie, d'accord ? Il fait des plats de viande de dingue dans les années 2000. Génie ! Et puis un jour... Il en a marre. Il en a marre. Il va pas cuisiner pendant un an. C'est plus lui en cuisine pendant un an. Ça le fait plus vivre quoi que ce soit. Il en a marre, il veut vraiment faire autre chose. Et puis il se décide de travailler les légumes. Et donc en fait, il achète des champs. Un dans l'Eure et un dans la Sarthe. Parce que dans l'Eure, t'as une terre sablonneuse. Et dans la Sarthe, t'as une terre plutôt normale et ainsi de suite. Et en fait, il fait pousser ses propres légumes. Okay. Et tous les jours, il y a une camionnette qui arrive au restaurant et qui lui livre les légumes récoltés du jour. Et il fait le menu avec ça. Ok. Il faut un bon niveau déjà de technique. Faut un bon... Et il t'envoie des... Ouais, il met la routine, quoi. Ouais, c'est... Bon, tu vois. Et il va voir le Michelin en disant « Alors, vous m'avez donné 3 étoiles parce que je faisais des plats de viande de dingue. Je préfère vous prévenir, on va changer un petit peu de viseur, quoi, tu vois. » Et en fait, il plante dans ces deux champs différents à 100 km de Paris, avec deux terres différentes, les mêmes légumes au même moment, pour voir comment... Comment il réagit. Comment ça réagit exactement à tout ça. Et c'est du génie, c'est fantastique. Si un jour, tu veux te faire un 3 étoiles Michelin et vivre quelque chose, voilà, Alain Passard. Il a un épisode de Chef Stable. Ils l'ont suivi, Chef Stable, sur Netflix, qui est un super programme, série documentaire, cuisine... Ils suivent des chefs dans leur parcours de vie. Okay. Et forcément, lui, c'est un type qui a influencé quantité de grands chefs étoilés d'aujourd'hui. Quoi. Il est encore en activité. On va ranger un petit peu avant de passer à la suite. Voilà, ce mec, j'ai vu son histoire sur Netflix. Il y a ce restaurant où les produits sont du jardin de dernier. Mais bien sûr, mais en fait, quand tu viens de. Ah, mon pote travaille dans son maraîchage. Mais les gars, mais vous êtes les meilleurs là. Mais les gars, mais c'est trop. Mais franchement, voilà quoi. Tu regardes un petit peu, tu me dis que tu regardes Top Chef, tu regardes Chef Stable, ça te parle ? Non. Mec. C'est vraiment bien. En fait, moi, à un moment, je trouvais qu'il y avait trop de trucs sur la bouffe. Et du coup, tu sais, ça me... Ah ouais. J'ai mais plus alors... su quoi regarder. Et Top Chef, bon, bah, c'était un peu le truc où enfin, je matais parce que ma meuf matait. Donc, du coup, Chef Stable, en fait, c'est des séries documentaires, Netflix. C'est une équipe de prod avec 8-10 cadreurs avec des raids 4K qui te suivent partout. Ils n'ont pas suivi les street food, etc. Si, ils ont fait... Alors, ils ont fait Netflix, sur celle avec les lunettes, là. Alors, voilà. Exactement. Elle, c'est la bosse. Ils ont fait street food, ouais, voilà, je me rappelle plus de son nom. Et Jay Fang, je crois, elle est à Bangkok. Et en fait, elle fait des wok et des soupes des curry de dingo. Voilà, mais ils l'ont suivi, mais si tu veux, c'est vraiment une série documentaire. Tu suis un chef pendant une heure. C'est un type qui est reconnu dans le monde comme le maître dans son domaine. Okay, voilà. Pas mal. Et en fait, c'est hyper beau. C'est filmé à la 4K, des ralentis de ouf. Ils dressent les assiettes. C'est un vrai storytelling. C'est à l'américaine. Les mecs gagnent des Golden Globes, des prix dans tous les sens. Ah, ça a l'air bien. Je vais mater. Va voir. Ça a changé la vie de beaucoup de monde en cuisine. Et c'est ce qui a motivé M6, je pense, à changer totalement leur prod sur Top Chef. À faire plus joli, quoi. Il y a eu une année, là, il n'y a pas longtemps, où justement, les mecs. Tu t'en sers des éponges. tu peux les jeter. Où les mecs, en fait, se sont inspirés de ça, quoi. On va rien jeter, tu vois. On va refaire une petite assiette, tu vois. Ça va être fifou. On va refaire une petite assiette canaille. Petite canaille, arrête ça. L'assiette canaille, je te montre. C'est Jean-Denis Bullshit qui m'a appris ça. Avec tous les restes. Tout ce qu'on a fait, là, en fait, ça fonctionne. En termes de goût, ça fonctionne parfaitement ensemble, tu vois. Donc, on peut faire ça comme ça. Là, je me suis bien mis du gras, l'huile du chorizo, un peu de fromage, un peu. Là, c'est ton assiette, donc on va là. C'est quoi, c'est parmesan ça? Parmesan, ouais, parmesan. Okay. Pecorino, c'est un peu le même truc. C'est le même type de fromage, c'est pas la même appellation. Ok, d'accord. Oui, c'est exactement ça. Là, tu peux y aller. Là. Ah, je peux y aller. Merci. Parce qu'il nous reste là les trucs, non? Il nous reste magret de canard. On va faire le magret là. Ok. On a 31 minutes pour faire ça. Ok. Te dire que c'est sport. C'est le cas, c'est sport. Mais on mange bien. C'est vrai que c'est bon. Le chorizo, c'est la folie quand même. Chorizo.
Mallette canard. Mais vas-y, que je t'aide là. Mais on va juste. Ok, on envoie quoi? Ça, je lave? Non, non, non. Ok. Ça, je vide? Non. Alors, on réutilise tout, ok? Ouais, non, on va pas tout servir, mais en fait. Attends, hop. En fait, le bouillon, là, moi, je vais le filtrer et je vais le mettre au congèle. Et je peux m'en servir quand je veux. Ah, ok. Bouillon de légumes, c'est vraiment le truc que tu fais quand tu veux rien perdre, en fait. Ouais, du coup, tu te le sers pour. Exactement. C'est pas mal ça. Bonne astuce. Toc, tu vois, on va vite. Et après, on va simplement avoir passer un petit coup d'éponge. Et on est bon. Le magret, ça cuit assez vite, en fait. Ok. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et on le fait avec quoi? Alors, on va le faire. Je voulais qu'on le fasse avec. Avec des tomates, des trucs comme ça. On va pas avoir le temps. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va le faire. On va le manger avec les entrées. Ouais. Et je vais te montrer comment faire une moutarde aux fruits. Trop bien ça. Ouais, ça c'est un truc qui va changer ta vie. Mec, tu dis ça au gars qui a eu en interview Thomas Pesquet. Tu vois, moi je vais te faire une mayonnaise, mon pote, elle va changer ta vie. Ouais, c'est propre. Non, la moutarde aux fruits, ça va aller très bien avec. Attention à toi, ça va aller très bien avec. Comment dire petit fromage de chèvre. Oh la moutarde miel chèvre. Bah voilà, bah là tu vois, on va faire ça. On va faire ça, mais on va mettre des vrais fruits dedans, tu vois, okay. C'est fou. Ah bah trop bien, je connais pas du tout, donc ça m'intrigue. Si t'es, si, je sais pas si la boutique existe encore dans le 10e arrondissement à Paris, rue d'Hauteville, il y a une boutique qui s'appelle Balibert. Et ils vendent des produits du terroir et des moutardes aux fruits avec une recette secrète qu'ils ne disent pas. Ok. Moi j'ai passé des semaines. À l'étaner? Non, non, à la manger, à la décortiquer, à regarder ce qu'il y avait dedans. Parce qu'il y a la liste d'ingrédients, c'est obligé, c'est la loi. Par contre, quelle proportion? Comment faire? Ah, ils sont obligés de tout mettre, ouais. Ah oui, ils sont obligés de te dire quels sont les ingrédients qui sont à l'intérieur. Alors, regarde, hop. Attention à toi, je suis dans ton dos. Et il te manquait toujours un truc? Non. Alors, après, on a, j'ai ouais, pas la même. Ouais, t'as réussi à faire à peu près j'ai la même. J'ai pas la même, mais à force d'essayer de reproduire, je me suis dit, écoute, celle-là va très bien. Ouais. C'est pas mal. Merci. Donc d'abord, on va s'intéresser au magret. Pour ça, il faut allumer le four. On va monter le four à 200 degrés. Et okay. on va utiliser les poêles de notre partenaire, les poêles de Tefal, les Ingénieux. Pourquoi? Parce qu'elles font les trois feux. Alors, les trois feux, ça veut dire, enfin les trois F, ça veut dire le froid, le feu, le four. Et en fait, on va utiliser... Je t'ai mis en chaleur pulsée. Hein. C'est très bien. À 200. Voilà, faut monter à 200. On va se faire une belle cuisson de magret. Voilà. Alors. Ouais, c'est bon. Après, tu fais OK. Parfait. Ah, pas mal. Le magret de canard est là. Alors là, on a une poêle qui est bien. Tu vas quadriller le magret. Je vais regarder s'il y a besoin de le... Voilà. Non, on est bon. Alors, un magret par rapport à un filet de canard, c'est un filet de canard, d'un canard qui a été gavé pour le foie gras. C'est ça le magret. Ok, d'accord. Ok. Donc là, hop. Tu vas nous faire un marquage. Tu vois ce que c'est un marquage? Tu l'as déjà vu ou pas? Tu mets des. Les, ouais, des exactement, petits chasses. Exactement, les petits coups de couteau. Faut pas rentrer dans la chair, faut vraiment marquer le gras. Et en fait, tu fais tout bêtement. Tu t'arrêtes à la viande, quoi. Ouais, exactement. Faut réussir à faire ça. Voilà, je te laisse finir et puis après, tu feras dans l'autre sens. Ok, d'accord. Vas-y. Voilà, tu fais bien gaffe à tes doigts. Hop, c'est très bien, t'as pas besoin d'aller okay. Plus profond. C'est très bien. Voilà, non mais tu es, c'est bien, t'es concentré en tout cas. Ouais, j'essaye. T'es concentré, tu te blesseras pas en étant. Voilà. C'est trop là. C'est pas grave. Là, c'est pas grave. Charcute là. Tu l'as un peu charcute, mais c'est pas grave. Ok. Je lis vos questions et du coup, le magret est plus tendre que le filet, il est un peu plus gras surtout. Et ce gras, il va nous servir. Je charcute. Voilà. Soit tu refais ça, un quadrillage. Comme ça? Exactement. Alors, tu te le mets en biseau. Drôle. Et... non, c'est vrai. En plus, tu retapes. Hein. Ok. Voilà. L'idée, c'est de faire un petit quadrillage sympa. Là, c'est bon. Hein. Tant que tu as fait le tracé. Ah, ça, si, je ça, le tracé, ouais, okay. C'est bien. Voilà. Putain, ils nous mettent une musique de Zelda. Vous m'avez gâté, les amis. Hein. Alors, dans le chat, faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas, que je suis fan inconditionnel de la Legend of Zelda. Genre de quoi les chansons, ouais. les termes, les jeux, bien sûr. Ouais. C'est quoi là? Là, j'en sais rien. Non, c'est un thème de Ocarina of Time. c'est peut-être le chant du temps. Non, mais c'est propre, moi ça m'impressionne. Oui, c'est le chant du temps.
Il y a des gens qui reconnaissent comme ça et tout, je trouve ça impressionnant. Alors moi, en blind test, je suis pas trop mauvais. Ah, je suis horrible. Parce que pour payer mes études, moi, je faisais du café-concert. Jouer de la guitare et tout. Sérieux ? Ouais. Je fais ça sur Twitch tard le soir, quand je décide de plus avoir de viewers. Tu sais, on est 1500. La soirée s'arrête. Et je dis, bon, les gars, je sors la gratte, vous choisissez les chansons. Là, on n'est plus que 44. Et, non, t'es bon, là, c'est bien. C'est bien ? Ouais. Ah, mais c'est ambiance cool, c'est sympa, ouais, ça. J'aime bien faire ça. Jouer d'un instrument, ça doit être le feu. Tu en joues ? Alors, moi, je joue de la guitare. Je chante aussi beaucoup. Ok. À la base, moi, je faisais ça, je faisais des chœurs. Tu sais quoi ? Les chœurs, je faisais les chœurs. Ok. Voilà, les voix derrière, les harmonies. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré un type que j'aimais appeler le Human Jukebox. En fait, il était tellement fort et il savait tellement jouer de trucs que un jour, je lui ai dit, mais tu sais quoi, on va dans les bars, on joue, on prend notre thune et compagnie. Il m'a dit, ok, on y allait. Et je disais aux gens, demandez-nous les chansons, on les joue. Si on ne sait pas les jouer, on vous paye des bières. C'est un bon deal pour intégrer le public, tu vois, les motiver, tout ça. J'ai payé 2 bières dans ma carrière. Putain. Ouais, le mec, tous les week-ends, bar mitzvah, communion, mariage. Et lui, il faisait quoi ? Tous les instruments ? Toi, tu chantais ? Nous, on faisait que guitare, voix. Deux guitares, deux voix. Okay. On chantait et on jouait tous les deux. Moi, je faisais surtout guitare rythmique. Donc, toi, du coup, tu connaissais tout aussi ? Et, bah, moi, je suivais, en fait. Moi, j'avais les grilles, lui, il les avait pas. Et les grilles d'accord. Les d'accord, quand même. Ouais. Après, on répétait, on jouait peut-être, on avait peut-être 200, 300 chansons au répertoire. Les gens te demandent aussi tout le temps la même chose. Mais du coup, moi, c'est ce que je fais sur Twitch des fois le soir, tout bêtement. Je dis, ouais, choisissez une chanson, on va sur le site ensemble. Il y a un site qui répertorie toutes les parts. Choisissez la chanson, puis si je la connais, ce qui peut partir de nulle part, si je la connais, ben, je vous la fais. Alors regarde. C'est trop cool. Là, on a mis le magret dans la poêle à froid. Okay. On vient de monter à feu moyen. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre le gras du magret. Ça va nous donner... On le cuit que sur le gras, non, le magret ? Non, non. Alors, okay. On le colore sur le gras. Ok, et ensuite, on va faire... Ensuite, on va le colorer sur toutes les faces, mais juste apporter une coloration, c'est-à-dire vraiment saisir. Okay. Et ensuite, on va finir dans le four. Le saumon, on le cuit que sur la peau ? Le saumon, c'est mieux de le cuire que sur la peau, à l'unilatéral, pour laisser la chaleur monter. Ok, d'accord. C'est la meilleure manière. Après, tu peux faire un arrêt si tu veux marquer griller. Je reprends un peu mes connaissances. Non, je remarque que tu touches. Je fais un petit check-up. Il n'y a pas de souci, ça, on va l'enlever. Donc là, il va falloir nous trouver une cuillère à soupe là-dedans ou dans le lave-vaisselle. Là, on va se concentrer sur la cuisson du magret. Les accompagnements, tant pis. Voilà. Regarde ça, toc. Boum, cuillère à soupe. Tu l'as la cuillère à soupe ? Alors regarde, avec la cuillère à soupe. Ah, tu vas venir arroser ? Exactement. Alors moi, je fais très attention parce que voilà, j'ai une allergie grave à la viande de volaille, donc faut pas que j'en ingère ou que. Ah putain, merde. Voilà. Et ça va servir à quoi ? T'en touches et tout, c'est. Non, toucher, je peux, y a aucun problème. Ok. Ce que je peux pas faire, c'est en manger. Ah ouais. Donc je fais hyper attention. Alors regarde, là on a du romarin. On va hacher le romarin, enfin on va simplement le portionner pour pouvoir le mettre dans la poêle. Et on va prendre de l'ail. Tu connais la technique de l'ail ? Je la montre très régulièrement. Tu l'appuies ? Tu l'écrases. Exactement. Tiens, tu te mets ici. Tu poses pose la lame du couteau dessus. Ah direct, même comme ça ? À même le truc et tu tapes. Voilà, pareil. Hop, c'est bon. Ok. Et ça, tu me le donnes, regarde. Ah du coup, c'est bon. Ah putain, moi j'ai enlevé quand même le. Hein ? Bah oui. T'enlèves pas la peau ? Tu peux, mais t'es pas obligé. On s'en fout, c'est aromatique. Toute la peau, okay, tout d'accord. Ça c'est aromatique. Oui, mais ça si aide. Tu veux couper sinon un oignon, tu peux, ok, d'accord, oui. Bien sûr. Voilà, là, t'appuies, c'est bien. Tu peux y aller. Voilà, la technique rapide, c'est vraiment. Voilà. Tac. Là, on met le romarin dans le gras. Romarin, parce que ça va aller parfaitement avec notre petite moutarde qui va bien là. Ok. On va monter un petit peu la température. Ah, tu vois. Là, le but, c'est de vraiment faire fondre le gras, quoi. Ouais, exactement. Pour marquer la couleur. Alors, j'y touche pas. Parce que c'est très important. Quand tu cuis une viande, c'est super important de la laisser tranquille. Peggy 18. Ah oui, d'accord. On vous remercie. En vrai, voilà, faut vraiment laisser le gras fondre, jouer avec la température. Ensuite, on va prendre. Il faut laisser croûter en fait. Ce qui est important, c'est que ça croûte. Tu vois, regarde. Voilà. Okay. Là, on a une belle croûte. On va remettre ça là. Pour bien le nourrir. Il est beau le marquage que tu as fait là. Il est simple, il est bien. Hop. Ouais, ça rend bien. Hein. Le four, il est à quelle température actuellement ? Tu peux me dire ? 200, préchauffage, quoi. Il y arrive, ok. À 3 bars. Alors, regarde. Hop. Là, on va simplement
marquer toutes les faces, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on colore. Ok. Pas que ça soit à vif, quoi. Exactement. Tu mets pas en vertical? On va le faire. Ok. Tu vas le faire. Ça crée une croûte, en fait. Cette croûte, elle permet au jus de rester à l'intérieur. D'accord. D'accord? Voilà. Donc là, on réutilise ça. On nourrit. Ça sent déjà, je sais pas ce que t'en penses, mais hyper bon. Ouais, de fou. Voilà. Là, tu vas le faire, tu vas prendre la spatule et tu vas me la mettre. Ok, vertical. Exactement comme ça. Et tu feras pareil de l'autre côté. Ok? Ok. Allez. Je te laisse faire. Moi, je vais juste vérifier. Alors, le canard, c'est pas trop grave de le manger pas assez cuit. Alors, il y a une différence entre pas assez cuit et rosé. Le canard, c'est une viande rouge. On peut parfaitement le manger rosé. Il n'y a aucun souci, même saignant. Philippe Etchebest, par exemple, aime le canard saignant. Moi, je vais simplement checker la température à cœur du canard qu'on vérifiera. Pour moi, c'est 57 degrés. Température canard cuisson. Rosé. Tu vois, on vérifie. Alors, si on veut qu'il soit bien rosé presque à point, c'est 65. Si là, on veut être bon, à bien, on va être à 60. Alors là, t'es bien. C'est très bien. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, il faut bien marquer ce côté-là. En bas, ok. Ouais, exactement. On marque vraiment sur toutes les faces. Et est-ce qu'on a bien marqué? Voilà, c'est très bien. C'est super. Voilà. Là, t'es bon, tu peux y aller. Tu peux c'est le bon. Poser. Ouais. Là, le four, il est à la température, il nous le dit. C'est bien, hop. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous faire, on va se prélever un tout petit peu, une toute petite cuillère à soupe, s'il te plaît, de gras de canard. Tu vas mettre là-dedans. Voilà, c'est très bien. Je vais me brûler le doigt. Ah, te fais pas mal. Encore? Ouais, un tout petit peu. Super. Maintenant, tu vas pouvoir laisser ça. Ok. Et on va prendre le magret. Ouais. Et on va finir la cuisson au four. Ok. Ok. Ça permet quoi? 7 minutes. En fait, ça va permettre de cuire uniformément tout le magret. D'accord. Une cuisson okay. qui est généralisée. L'intérêt de ces poêles, je le dis, alors ça, c'est vraiment un truc très utile. On va utiliser des poêles en fonte et ainsi de suite. C'est des poêles tout en métal qui vont au four. Généralement, les poêles, comme elles ont des manches plastiques, elles peuvent pas aller au four. Mais comme notre manche à nous, il est amovible, celle-là, elle y va. Tu fous direct le truc au four. Exactement. Ça t'évite d'avoir à chauffer la surface qui va recevoir le canard. Okay, donc tu gardes l'uniformisation, en fait, l'uniformité de la température. Simplement que ça. Là, tu mets ça là. Hop. Ah, c'est joli, hein. Et ça termine. Easy ou pas? Ah ouais, là... J'ai envie de te dire, on est bon. Là, on a notre petit fond de sauce, là. Ouais. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous prendre tous les ingrédients qui sont là-bas quand tu auras fini de manger. Mange, mon ami. Ouais. Là-bas, on a confiture de figues. Oh, le feu! On a moutarde à l'ancienne, mangue et kiwi. Allez, confiture de figues, chutney de mangue et tout, ça donne envie c'est de bouffer du foie gras. C'est exactement ce qu'on va faire. Ben, en fait, on va travailler un petit peu la même chose. Par contre, tu vois, le foie gras, je surkiffe ça. Ouais. Mais le foie... Le foie de veau... Poêlé. Ah oui, t'aimes pas? Ah, c'est... Et même le foie gras poêlé, t'aimes pas? Non. Ah ouais. Ah ouais, je trouve ça... Tu l'aimes froid, quoi. Ouais. Je sais pas, parce que la texture et tout, c'est... Bon, alors, t'es pas pris en otage parce qu'on est devant des témoins, d'accord? Mais si jamais t'as envie, parce que c'est vraiment génial à faire, à vivre et à manger, de venir une fois cuisiner avec moi du foie gras, j'en fais à tous les Noëls. Ok. Apprendre la petite technique pour en faire à la maison, pour impressionner ma madame. Ma grand-mère, elle en faisait. Là, tu vois, c'est... Dans la Corrèze. Ah, à la Corrèze? Ouais. T'es corrézien? Ouais, de loin, quoi. D'avant, quoi? Ouais, okay. Voilà. Moi, je suis creusois. Ah ouais? Ouais, j'ai grandi dans les forêts creusoises. Ouais, j'ai chassé mon premier animal. Ouais. D'ailleurs, mon fils qui fête ses 3 ans a un petit peu peur parce que d'ici la fin de l'année. Son premier cerf, là. Voilà, il va falloir qu'il aille chasser son animal totem. C'est important. Alors, on va prendre notre cuillère à soupe. Alors, on va prendre une cuillère à soupe. On va faire très attention à cette cuillère à soupe parce que si on la place mal, moi, je vais mourir. On a rien. Notre moutarde. Notre moutarde, notre mangue. Notre figue. Ouais. Kiwi. Donc là, voilà. Là, je vais simplement éplucher ce kiwi. Ça le pèle. Voilà. Alors, tu vas surveiller notre... Il y a un thermomètre rose dans notre... voilà, exactement. C'est incroyable, ce genre de matos. Voilà, ça, c'est à moi, c'est je le ramène de la maison. Et tu l'as allumé ou pas? Je te pose la question sérieusement. Oui. D'accord. Et du coup, il va falloir... 51 degrés, là ah, ça continue à chauffer, ça. Ah,
Non, mais ça, c'est dû à la casserole, en fait, à la cocotte qui continue à conduire la chaleur. Alors. 33 degrés. Il y a un moment donné où j'ai vraiment peur que tu me plantes à la couenne pour savoir, tu vois. Ah, pour tester. Oh, c'est trop bien ce thermomètre. Alors, est-ce que tu peux ouvrir le four et ouais. aller le piquer, le magret sur le côté et aller jusqu'à son cœur pour me dire à quelle température on est? Ah, mais attends, merde, il me faut un. Alors, PA, il va falloir que tu te mettes sur le côté, ouais, soit d'un côté, sais. Soit de l'autre. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, te brûle pas. Voilà. Ah, c'est beau, te brûle pas. T'es brûlé? Non, non. Alors. Oh, ça monte. T'es à combien? 42. 44. Ok, c'est soft, mais ça va vite. Hein. C'est 45. Putain, 47! 48, reste ici, tu me dis quand c'est bon. Il faut combien en fait? Faut aller jusqu'à 60. Ah ouais, bon. Oh là là, putain. T'en es où là? Le mec n'est pas à l'aise dans la vie, on le sent quoi. Bah attends, ça se fait pas. Ça se fait. Oh, j'en suis sorti. Comme ça. C'est bon, t'en es sorti? Donc en gros, on se dit que dans. Il y a 14-25 à 14, je pense que tu peux le sortir. Tu vois, là, on est à 14 minutes et 20 secondes de la ouais. fin. Dans 20 secondes, du coup? Dans 20 secondes, ouais, je pense. Dans 20 secondes et... Ouais, dans 30 secondes, on est bien. Parce qu'il va continuer à tirer en cuisson en restant dans la poêle. Ah, ok. Tu vois? Alors, regarde notre petit kiwi, là. Je le prends. 24. Ok. C'est incroyable, ce thermomètre. C'est vrai? Ouais, ça me... C'est un thermomètre de pâtisserie, tout bêtement. Putain, merde, c'est l'heure. Alors, c'est bon, faut l'enlever. Tu le remets directement sur la poêle. Vas-y, tu piques tout de suite pour savoir si t'as la température, tu refermes le four. Boum, boum, boum. Tu piques pour savoir si t'as la température. Chut. On est à 59. T'es bien alors. 72. Non. Si. 73. On l'a cramé. 74. On l'a pas cramé, enlève-le, mets-le là. Il est mort? Non, il est pas mort. Prends la pince. Non, non, non. Ah, on le... Ah ouais, on l'opère là, on l'opère. Allez, vas-y. Déplace-le sur le côté. Allez, viens là, mon pote, là, putain, t'es pas foutu. Pose ça là, pose ça là. Je dégoûte, je dégoûte. Tout va bien. Et là, on le laisse sortir. On le laisse tranquille. On le laisse vivre. On le laisse vivre, ok? Putain, regarde. Il est dead. Il est beau. En vrai, il est beau. En vrai, il est très beau. En vrai, t'es bien. Alors, il s'est passé un truc, mais je pense que les amis du chat l'ont pas vu. Ça me concerne. J'en parlerai en fin d'émission. T'as mangé? Non, j'ai rien mangé, tout va bien. Non, non, t'inquiète pas, alors là, c'est instant. Hein. Non, non, je te mens pas. Ah ouais, tu gonfles et tout, ah, c'est ouais, genre... Ouais, c'est, oh, la, putain, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. C'est littéralement la mort. On met la confiture de figues. Et du coup, il y a eu une première rencontre avec un poulet, quoi. Il y a eu une, ouais, y a eu une ça, première quoi. Fois. Faut pour se rendre compte, quoi. Il y a eu une première fois, il a vaincu. Il ah, a vaincu, putain, ouais, ouais, ouais. Urgence, boum. Ah ouais, 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 vomissement, saignement de nez, gonflement, incapacité respiratoire. Ah ouais, ouais, non, non, j'étais petit, j'avais 6 ans. Putain. C'est ça que moi j'ai pas le goût du poulet, je sais pas. J'ai pas le goût que ça, quoi. Ah, c'est vrai, mais il y a beaucoup en plus de volaille. Ah bah, on en met beaucoup, ouais. Pour le coup, la volaille, c'est chiant d'être que ça. En allergie, ouais. Je deviens, plus je vieillis, plus je deviens intolérant au lactose. Ok. Mais ça, bon, c'est tout le monde, hein. Mais beaucoup de gens, ouais, enfin, le corps c'est humain tout de base. Le corps humain de base, le lactose, non, tu vois. Ouais, c'est ça. Le c'est lait d'un autre mammifère, ça va, ouais. Lui. Tu vois, il est. C'est bon. Ouais, il n'y avait pas besoin, quoi. Tu vois, lui, il te dit, t'es un veau, toi, non? Non, bah alors, non, alors, tu vois, c'est aussi simple que ça, tu vois. Alors, tu vois, on a mis confiture de figue, le petit kiwi, là. Voilà, tout bêtement. Petite moutarde aux fruits. Et du coup, ça donne la température? Pas corporelle. Non, non, mais alors, là, de... De quoi? Ah, de la pièce. Non, c'est très ah, non, 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 ouais. Je pense pas, c'est une sonde. C'est-à-dire, ouais. C'est au contact. Je pense que c'est au contact. On va travailler. Voilà. Plus de questions qu'on, n'hésite pas de mon côté. Non, non, mais moi tu y vas. Non, tu y vas, moi j'aime bien. Pas avoir alors, peur, je pense. Hein. On va bosser la mangue. Oh, la mangue. Alors, meilleur la mangue. Fruit. C'est la saison des mangues? Oh! Mais tu t'es charcuté, gros! Je me suis coupé, ouais. Non, mais c'est rien, c'est. Mais tu saignes? Mais ça va, n'est pas. Mais je vais la faire, je vais la faire. Tu l'as fait, c'est bon? Ouais, je vais la faire. Ça fait deux fois avec des couteaux qui sont pas les miens. Ah non, ouais, mais t'inquiète putain. Pas, c'est fini, hein. Ouais, ouais, non, mais je sais. C'est regarde, juste... tu vois bien que ça saigne pas. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Enfin, non, pas impressionnant, mais c'est parce que ça. C'est fini, y'a plus rien. C'est la deuxième fois. Vas-y doucement. Le plus simple, c'est quand même de la laisser, sur la. Et de tourner autour. Non, l'âme opposée à toi. Exactement.
C'est vrai que c'est plus simple. Eh oui. J'aime bien. Souvent, je trouve qu'on c'est vrai que là, il y a quand même moins de danger. Ce qui est dur, c'est qu'on en perd beaucoup. Alors, là, tu te débrouilles pas mal, en fait. C'est parce que tu utilises la pointe. Faut vraiment utiliser la base du couteau. Ah, voilà, ouais. C'est bien, ça. Alors, il a exactement la même réaction que Marie. Jolie, voilà. Alors, c'est nickel. Il y a plein de gens qui sont en train de criser parce que t'as planté la sonde que t'avais mis dans le canard dans ce morceau de kiwi. Et du coup, en tentative de m'assassiner. Ah ouais, et donc, putain, pour remarquer que je n'ai pas cuisiné ce kiwi. Mais il y a d'autres personnes qui te suivent et qui ont dit non, les gars, il a nettoyé la sonde avant c'est de faire. C'est vrai que j'ai nettoyé. Et bah, tu vois, on est bon. Mais je t'avoue qu'à 2-3 endroits, j'ai foutu un peu de temps. Tout va bien. Tout va bien, j'ai pas mangé, je fais attention. C'est aussi pour ça en fait que c'est aussi pour ça que je mange pas pendant les émissions. Désolé les gars, j'aurais tout essayé. Hein. On n'a pas réussi à le tomber. J'ai essayé de faire tomber Bistrono Geek, ça n'a pas marché. Non, on est bon, t'inquiète pas. Okay. En vrai, c'est graphique parce que c'est au niveau du pouce. Non, mais oui, pouce, après ça va, c'est les mais trucs. Mais c'est fini, hein, y a quand il y a de la peau. Autant l'autre fois quand je suis passé à travers mon index, oui. Ah ouais, tu t'es vraiment cherché. Ouais, bah, j'ai enlevé le bout quoi. Hein? Tu vois, par exemple, l'espèce de taillage en... Voilà. T'as eu mal? Non, en vrai, j'ai pas... T'as eu mal. Le mec a 8 ans. Ça fait mal ou pas? T'as eu mal ou pas? T'as eu mal? Ça fait quoi? Attends, je sais pas si j'ai les doigts dégueulasses, mais j'ai les mains des mecs qui font ça. Tu vois, cette espèce de cicatrice ici, là? Ouais. Bah, je bossais dans un bar... Et je faisais une remontée de bouteilles de vodka dans les escaliers et un mec torché me bouscule. Oh l'enfer. Je tombe avec les bouteilles que j'avais dans les bras comme ça. Et c'est très bien. Une belle mangue. J'en fais quoi Je la coupe en tout petit dé. Mais tu vois, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est sur les mangues. Pardon, après, tu racontes ton histoire. Vas-y. Tu sais, t'as ta mangue la moitié, tu tournes autour du noyau, et ensuite tu fais ça. Ouais, et après. Ça, et roup, c'est très bien. Ça, c'est le feu, ça, pour c'est les une manger. Bonne technique. C'est une très bonne technique. Voilà, j'ai besoin d'une certaine approbation en fait. Moi je valide, c'est non, mais moi de confiance en moi je qui valide, fait que je valide des questions. Je valide, non. Et tu vois, je pète les bouteilles. Donc je pue la vodka tout le reste de la soirée au comptoir. C'est vraiment le barman pété quoi, le gars qui. Je vous en mets une. Oh bah écoute, peut-être pas, Mimi, il faut arrêter de picoler. Et en fait, je passe la soirée à bosser sans me rendre compte que j'avais un morceau entier, un tesson de bouteille rentré dans le majeur. Ah ouais. Longtemps, j'ai pas tu vois. Jusqu'au bout, je suis con. C'est pas grave. Tout va bien, on va revenir dessus. En fait, des fois, les couteaux. L'autre fois, le couteau, je testais le couteau, il était hyper affûté. Marie m'a posé une question. J'ai tourné la tête vers elle avant de finir mon geste. Et boum. Et je suis passé à travers le doigt. Ouais. Alors, regarde, on va reprendre ce que tu as fait ici. Vite fait. Non, parce qu'en fait, du coup, tu sais, c'est chiant, mais c'est comme les trucs d'oignon et tout parfois. C'est que je coupe, mais pas jusqu'au bout pour pouvoir garder. Parce que sinon, le truc, c'est filoche et t'es comme un con. Mais là, en fait, c'était comme c'est un peu dur, tu peux le faire quoi. Tu peux totalement repasser derrière, il y a pas de souci, tu vois. De toute façon, toujours. Il y a pas. Et du coup, t'as eu quoi, point de suture là? Non, rien en fait. Okay. Je bossais avec un chef, un manager, putain, qui m'a dit il reste de la vodka. J'ai dit oui. Il a planté le doigt qui pissait le sang dans la vodka. Il m'a mis une capote comme on fait en cuisine autour du doigt, un élastique et j'ai fini ma soirée. Hein. Ok. Non. Mon père. Alors là, c'est l'instant cicatrice. Hein. Je sais pas si dans le chat vous allez tenir, mais. Cuisinier, t'as les avant-bras qui pissent, que tu te brûles régulièrement ou tu machins. Hein. Mon père, boulanger de 40 ans de boulangerie, il faisait un petit peu comme nous avec les OP, tu sais. Des fois, il y a des périodes, il y a beaucoup d'OP. Et tu les fais parce que tu dis, ouah, je vais pouvoir mettre la famille à l'abri, tu vois. Moi, j'ai un enfant, j'aimerais bien qu'il m'aime un jour, même s'il ne me connaît pas. L'enfoiré, tu sais, à force de jamais me voir. Mais j'ai fait beaucoup d'OP. Et tu travailles, tu t'arrêtes pas. Et mon père, quand il avait une boulangerie, il avait une boulangerie en face du parc d'exposition de la Porte de Versailles. Et donc, en fait, il livrait en pain toutes les sandwicheries du salon de l'auto et de l'agriculture. Donc, c'était 17-18 000 baguettes faites dans la nuit, tu vois. Et le pain, je sais pas si t'as déjà... l'usine. Oui, c'est l'usine, ouais. Je sais pas si t'as... Puis c'est l'usine pétrissage à la main et compagnie. Tu charbonnes, quoi. Ouais. Je sais pas si t'as déjà touché une baguette de pain qui sort du four. C'est très chaud. C'est un rasoir. Ah ouais, c'est un rasoir. En fait, les arêtes de la baguette sont tellement affûtées que tu t'arraches, quoi. Genre les morceaux de croûte par-dessus. Ouais, exactement. Ouais. En fait, à 300 degrés, ça te passe la peau. Et je bossais avec lui. Et il prend une baguette pour la faire venir. La baguette reste en place parce qu'en fait, elle vient pas. Il fait tout le long. Il fait le long, en fait. Et je vois le sang. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Ouais. T'as une cicatrice comme ça. Beaucoup de sang.
Et je lui dis, bah écoute, là, tu vas aux urgences. Elle me dit, ah non, j'ai pas le temps. Il a pris Sopalin, Chatterton, et il a continué à pétrir pendant 5 heures. Ouais. Alors c'est bien, toi t'es hyper impressionné, tu dis putain ton daron c'est un cow-boy, ouais. Et t'as l'impression qu'après le service il va aller prendre sa douche, il va perdre 3 litres de sang, ouais. Il va prendre une aiguille, à brider le poulet, il va se recoudre tout seul devant Téléfoot. Non. On l'a amené aux urgences et ça l'a fait redescendre dans la vie parce qu'il y avait tellement de sueur, de farine qui était passée que les mecs lui ont nettoyé la plaie à la pince à épiler. Ah ouais. Ouais, c'est pas sympa. Il y a plus agréable dans la vie, tu vois, voilà. Et il a une cicatrice de compète, et ses avant-bras, ses mains, tout ça, c'est pareil. En fait, t'es au feu. Mon père, il prend les plats du four comme ça. Ouais, la foutre, parce que ta vie, elle est dans des fours à 300 degrés. Tu vois, c'est d'autres manières de faire. Il nous reste 5 minutes pour dresser ça. Donc là, on a une petite moutarde aux fruits. Est-ce que tu veux la goûter? Non, je me laisse la surprise. Tu te laisses la surprise? Ouais. Est-ce que tu veux couper ce magret? Non, je veux le faire. Si, je veux bien. Tu veux le faire? Ok. En vrai, je pense qu'il est saignant. Ok. Et c'est bien? C'est bien. Moi, j'aime bien. Ouais. Je coupe comment? Tu coupes en fines lamelles, si tu veux. Et ensuite, on le récupérera entier en passant la lame dessous. Et genre en décalé un peu ou droit? Ah non, tu peux couper en biseau. Ouais, en biseau, donc un peu comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Alors. Attends. Ouais. Je réfléchis, je mets bien. Morceau, quoi. Comme ça. Ok. Comme ça. Et tu suis tes rainures. Ok, d'accord. Voilà. Là, le magret, il a parfaitement... il s'est reposé. Je t'ai pas empoisonné, c'est bon? Non, c'est bon. Ok, bon, un petit coup de flotte. On est bon, les potes, là? On dit rosé. Ah non, j'aime bien les mecs qui me donnent des cours de cuisine depuis le fond de leur piole. On dit rosé quand c'est rosé. On dit saignant quand c'est saignant. Et là, je pense que on est dans le saignant. Attends. Voilà. T'es bien là. Il est sublime. Plus on va être à cœur, plus tu vois. Il est très beau là. Alors il faut pas que tu le presses, faut pas que tu l'écrases. Ouais, comment on fait ? En fait, regarde. Je tiens et je fais ça. Exactement. Non, 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 t'as tes doigts. En fait, tu laisses travailler le fil. Tu pars d'ici, tu fais un mouvement. Ah, c'est le poignet qui joue. En fait, c'est le fil de la lame, tu vois. Il est sublime. Regarde ça comme il est beau. C'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Ah, il est très beau, là. Oh là là. Question, le canard, ça se rapproche de quoi au niveau du poulet, nous demande Mr. Butterfly. Alors, pas au niveau du goût, pas du tout du poulet. On est beaucoup plus sur un goût de carnet. Parmentier de canard. Voilà. Oh, y a, c'est beau, hein. Parmentier de canard. Là, il est parfaitement rosé. T'as un morceau qui est un petit peu saignant, mais il est rosé, il est parfait. Il est beau, tu l'as sorti au bon moment. Voilà. Bon, maintenant, tu maîtrises la technique du magret. Ah ouais, là, c'est bien. T'as vu quand même, c'est quoi? C'est 5 minutes à feu moyen dans la poêle, avec les aromates et tout ça. Je me mettrai la VOD pour être sûr, mais... Oui, oui. On est bon. Possible de remplacer le kiwi. Tu l'enlèves, le kiwi. Les amis, vous dire que... Fais attention à tes doigts, hein, copain. Voilà, c'est bien. Hein, c'est bien, c'est bien, ouais. Vous dire que... Là, c'est des moutardes aux fruits. La règle, la base de cette moutarde aux fruits, c'est quoi? C'est moutarde à l'ancienne, confiture de figues. Ça, c'est votre base. Ensuite, vous mettez la mangue. Vous pouvez mettre une purée de mangue. Vous pouvez mettre du miel. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Vous pouvez parfaitement l'allonger. Il n'y a pas de souci. Alors, regarde ça. C'est beau. Hein. C'est beau. On va essayer de tous les mettre dans le même sens. Et qu'est-ce qui fait, du coup, que c'est volaille et pas que poulet? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai jamais su. Les tons solennels de discussion, ouais. J'ai jamais su. Non, mais tu sais, c'est quand même un. Un jour, je rentrais du Wyoming. Genre là, le canard et le poulet, c'est quand même une viande un peu différente, quoi. Ouais, mais je sais pas, ça dépend des plumes. Il y a des trucs en. Oui, c'est vrai que. Voilà, on est vraiment. Enfin, on dit rosé, mais moi, je pense qu'on est même un peu. Voilà, on est un peu saignant. Alors là, tu veux faire un truc bien. Tu veux faire un petit dressage canaille, comme ils disent. Putain, ils nous ont mis. Ça, c'est Zelda façon moine, tu sais, c'est. Ouais, top. Tu mets ça comme ça. Ouais, là, c'est terroir, là. Bah, t'es beau, là, tu vois. C'est important de le laisser jusqu'à la fin et de l'enlever au moment de la dégustation, parce que, mine de rien, il y a de la fragrance, il y a de l'odeur. Regarde cet ail, là, qui est magique. Ok, il est beau. Il est beau. Et puis, voilà. Et un peu de jus. Un petit... Ah, c'est déjà là, c'est déjà dedans. Tu vois, regarde. Là, on est bon. Il nous reste... Tu le sers en deux parties, là.
Ah bah là, tu, ça c'est pour une personne. Ouais, hein. Et ça tu le mets où ça? Alors tu mets à côté, tu mets à côté, voilà. Tu veux goûter? Parce qu'il nous reste 50 secondes d'émission. Putain, mais il se passe quoi au bout de 50 secondes? Bah c'est fini. Ça coupe genre? Non, on peut continuer un petit peu. Non. Non, je sais pas. Ça coupe pas, on peut continuer. Et là on mange la peau aussi? Tu peux tout manger. Ok, et je me sers comment? Alors voilà, prends ça, et parfait. Je mets dessus? Il faut que les gens sachent. Vas-y, mets dessus. Oh là, il est beau. Oh, c'est beau. C'est beau ce qu'il fait. Je vais m'enfourner ça dans, voilà. Dans le gosio là. Oh non, oh, j'ai fait tomber. Je suis... ah, j'ai hâte de savoir si ça te plaît. Hein. Oh, t'avais la dalle. Tu t'es mis un truc. Est-ce qu'il y a eu négociation avec ce canard? Non, non. Il y a eu bagarre, il y a eu victoire. Ça va ou pas en goût? C'est bon. Moi, je peux pas goûter, donc je peux pas apporter l'info, quoi. Après, admettons, on rate la cuisson, on le fait trop saignant, tu le refais snacker vite fait, tu vois, c'est dommage pour le dressage. Mais ça va, tu t'es pris un trop gros morceau, peut-être. Tu t'es pris un trop gros morceau, faut que tu trouves le temps de respirer. Oh, c'est bon. En plus, j'ai eu un passage dans la gorge, si tu veux. Non, mais c'est trop bon. Ça va ou pas? Très très bon. C'est bien parce que tu sais, moi après je nourris un peu les techniciens, tout ça, donc il faut. Ah bah ouais, ouais. Voilà. Bon, les amis, on s'est fait 2 heures de cuisine très détente. Ouais, c'était très cool. Mais tu sais quoi, regarde, puisqu'on, quitte à ce qu'on déborde, est-ce que tu veux qu'on goûte la mousse? Ça va faire bizarre, chocolat canard d'un coup là. Non, mais j'aime bien les mélanges, moi. Allez, tiens. Ça, moi je vais pouvoir le manger. Parce qu'après, c'est plus pour nous. Après, si, bien sûr. Attends, c'est ton repas. Hein. Regarde, les petites cuillères à café, elles sont là. On va... la mousse. Voilà, on va trouver. C'est là. Tu l'as? Boum, j'ai. Allez hop. Mousse au choco. Donc là, vous voyez, les mousses, elles sont parfaitement prises. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, c'est bon. C'est léger. Ça passe 1 heure au frigo en plus. On a beaucoup plus d'alvéoles. Mmh. Là, c'est plus une crème. Ouais, elle est un peu en crème encore. Mmh. Mais c'est très, très le bon. Le goût déjà. Est bon. Hein. Mmh. Moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est très bon. Ah, tu vois, c'est pas trop chocolaté. Enfin, c'est le goût de l'enfance. C'est... ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Tiens, attends un truc, regarde. Du sel? Oh, mais non. Oui. Non. Tu veux pas essayer une fleur de sel sur le chocolat? Prends une petite cuillère. Vas-y, un peu. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Tu non, dis. C'est pas mal. C'est mais pas possible, c'est... ça rehausse le goût. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Une petite pointe de sel. En pâtisserie, on sèle mon sucre. Hein. Tu sais, on, ouais, on, bien, non, mais... c'est important. Hein. Alors, je connais chocolat sel. Mais... sel plus chocolat, c'est une tuerie. Je fais toujours un petit gougou à mes copains de Edouard Chocolaterie, rue de Rivoli. Il y a mon pote Edwin, qui est un chocolatier, qui a un concept de chocolat sur le concept de comptoir d'épices. Je prends bon. Tu vois, il fait des chocolats curry, chocolat cardamome, des trucs comme ça. Okay. Hyper bon. Donc, voilà. Ah, honnêtement, c'est très bon. Hein. J'avoue que... bon, là. Les amis, c'est le moment de vous dire au revoir. On espère que vous avez passé un bon moment. Attendez, ouais, j'ai toujours peur d'en avoir dans la barbe, parce qu'après tu fais ta, ah, ça a l'air d'être tu fais ta conclusion, tu ouais, sais, avec ton repas. Bien entendu, vous pourrez retrouver cette vidéo en VOD sur la chaîne Le Stream. Vous pouvez les retrouver aussi sur ma chaîne Twitch. Vous savez parfaitement où nous trouver. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'était trop cool. Ça fait longtemps, longtemps qu'on en parle. C'est vrai. Longtemps que j'ai été compliqué à capter, mais merci énormément parce que j'ai passé un super moment et appris plein de choses. Donc, c'est une ambiance détente, c'était top. Calme, tu vois, on a essayé de faire ça bien. Donc, on espère que vous avez passé un bon moment. On vous dit au revoir, à la prochaine. La semaine prochaine, au même endroit pour la cuisine. Bonne semaine, bon euro, bon week-end, bon tout. Gaffe à vous les petits potes, nouveau, salut. Nouveau livre de GastronoGeek, bien sûr, recettes végétariennes, n'hésitez pas, c'est le 13e. 1,5 million d'exemplaires ici. On a un best putain de seller, incroyable. Ah, c'est vrai, salut bon. Tout le monde.